自古上单一条路，狭路相逢当然要打，拼全力打出虎虎生风，拼心力更要不落下风。疾风耳边过，唯我留声。河道野区，四分峡谷，兵者相对，好似林中博弈。蛰伏是隐士，观局是谋士，出招是勇士。棋逢对手，当以谋略决定谁棋高一招。声势即战势，战鼓未响，但已硝烟弥漫。敢忍耐，敢出击，敢于赌上一切。因为你是一粒星，就该点燃一团火。老将小将，只拼实力，一鸣惊人。军心涣散之时，所有人不动如山，坐断战局。登峰涅槃，再前行。群雄矗立，步伐不止，山后就是无限荣光。 LPL 扛旗来见。Bonjour à tous mesdames et messieurs, dans cette nouvelle semaine de LPL, un lundi bien frais où on va commencer avec des petits matchs très intéressants, toujours pas de The Shy bien évidemment. Je serai accompagné de Aureus pour toute la matinée. Comment vas-tu mon cher? Ouais, la matinée qui peut durer jusqu'à 15-16 heures finalement. Voilà. Une matinée extended sur Roger. Mais ouais, reprise en semaine 2 de la LPL. Vous le savez, c'est 7 jours sur 7 la LPL. Et ça commence à 11 heures. Il y a 2 BO3 à chaque fois. Et déjà, petit résumé des matchs qu'on a eu hier. Un 2-0 en faveur de LGD face à Ultra Prime. On s'attendait avec TechTech et Nox plutôt à un 2-1, après à voir au niveau de qui aurait pu gagner. Et W, on s'attendait à ce 2-0, mais LGD c'était vraiment genre le hold-up sur la game 2. Littéralement, ouais. Ultra Prime aurait dû gagner et ils ont volé la game. Ouais, c'est le petit pari que j'avais fait, Ultra Prime, et pour l'instant, ils sont au même niveau que les Sunning et que l'autre équipe sur laquelle j'ai fait un petit pari avec les Bilibili Gaming tout en bas du classement. Des paris qui s'annoncent bien. Ah là, mes paris pour l'instant, ils sont bien en place. Là j'ai confiance en moi. Par contre, de l'autre côté, en haut du classement, on a tout de même les équipes qu'on attendait au rendez-vous, particulièrement JDG, FPX, Edward Gaming et WE, qui sont tous en 2-0 pour démarrer. Ouais, clairement, pour Raratom et LNG, faudra confirmer un petit peu l'essai. LNG, ils n'ont pas une semaine facile, hein. D'ailleurs, sur cette semaine 2, ils rencontrent 3 équipes, ils ont 3 BO3 les LNG cette semaine et ils rencontrent JDG, FPX et RNG, genre la pire semaine. Voilà, c'est un peu ça l'idée, hein. On verra bien s'ils arriveront à tenir le coup. Déjà avoir 3 matchs c'est compliqué, alors 3 matchs contre des cadors ce sera encore plus. Les matchs de la journée, comme vous le voyez, auront tous les deux lieu à Shanghai, ce qui veut dire que nous aurons des interviews à chaque fin de partie. Ça, c'est cool, ce qui est une bonne nouvelle. Ça c'est vraiment cool, on aura Wendy qui pourra interviewer l'un des joueurs des équipes qui vont remporter tout simplement CBO aujourd'hui. Bon, OMGIG, ça devrait quand même être pour Invictus Gaming, même si on n'a pas The Shy. On a Nenny qui d'ailleurs a fait une semaine très remarquée. Il a été très très chaud et contre les Dord Gaming, ils se sont inclinés 2-0 les IG, mais son Wukong était fou contre Fanboy. Le Wukong a bien fonctionné contre les Sunning au début de la semaine. Il en est même allé de son solo kill face à Bin. Donc ça a bien fonctionné pour Nenny.
ce n'était pas particulièrement flamboyant, ce n'était pas The Chaiesque, mais c'était tout de même un très bon niveau de League of Legends pour quelqu'un qui a dû être appelé peut-être à peu près au dernier moment. Ouais. C'est sûr qu'il a eu des scrims avec son équipe, peut-être seulement une semaine, peut-être même un peu plus. Mais en tout cas, il était au rendez-vous et il a bien pris la place de The Chai. Il la reprendra encore aujourd'hui, parce que normalement, si nos informations sont correctes, The Chai était en quarantaine jusqu'à hier. Donc ça veut dire qu'il a peut-être rejoint la Gaming House ce matin. Donc le matin en Chine, comme il joue aux alentours de 17-19h. Ce qui veut dire qu'il n'y aurait pas vraiment d'intérêt à le faire jouer dès maintenant. Donc il va rejoindre son équipe. On le verra peut-être la semaine prochaine, vu que le prochain match d'IG sera dans une semaine pile. The cream of the crop du côté des OMG, crème mid laner des OMG, qui a commencé chez OMG en début 2020. Il est très très chaud, en tout cas il a été très très chaud avec Leblanc en LDL et il est connu pour ses assassins, bon ça se voit, Echo, Leblanc, Akali. Moi ça me va, hein. C'est du beau jeu. Dans la méta actuelle, c'est ce qu'on a besoin. On sait à quel point Akali est forte actuellement sur toutes les régions du monde. Plus de 60, à peu près 65% de win rate au global. Ouais. Elle a terrorisé le LEC ces derniers jours. Donc si Akali arrive à bien passer, c'est excellent. Pour le Echo, j'ai toujours un peu plus de doutes. Mais en counterpick à une Syndra, pourquoi pas. Après, ce serait la Syndra de Rookie et je suis pas sûr qu'un Echo suffirait. Ouais, c'est sûr que Rookie est plutôt très chaud dessus. Et on voit d'ailleurs chez les OMD, donc Crème, qui sur le replay précédent, qui était justement avec sa Akali, avec ses assassins. On le revoit ici contre les RA avec sa Akali. Bon, les RA hein, qui se sont imposés hein, bien sûr contre les OMG. Mais ouais, si on a un petit joueur d'assassin au mid, bon, faut adapter après les compositions en conséquence. C'est pas toujours les picks les plus simples à intégrer dans des compos, mais ça peut venir surprendre pour le coup. Et si t'as un red side, tu peux clairement aller jouer ton matchup mid avec un assassin et snowball dessus. Tu peux essayer d'avoir le counter, ça va être sûrement l'une des volontés du côté de Oh My God, ouais, de réussir à surprendre de ce côté-là. On sait que dans tous les cas, ils ont changé encore, bougé un peu leur roster et le fait d'avoir monté l'un de leurs joueurs de leur académie, ça peut être l'une des bonnes solutions. Mais bon, normalement, Invictus Gaming, s'il tombe après avoir battu Sunning, bah ce serait le truc le plus Invictus possible en fait, tout simplement. Ouais, ce serait fou. D'ailleurs, on voit Nenny, hein, le top laner sub de The Shy, qui évoluera également cette semaine pour les Invictus Gaming, qui n'ont qu'un BO d'ailleurs cette semaine, ouais. Les IG comme les WE d'ailleurs. Et on revoit hein, sur son Wukong, son Voli, sa Camille, donc des picks quand même qui peuvent aller prendre des prios, qui peuvent être très agressifs, très surprenants en termes de 1v1. Et puis en termes de statistiques, il est quand même pas mal. Hein. Deuxième en termes de kill participation au niveau des top laners, un KDA très très bon. En termes de damage et de gold, bon, ça reste des statistiques de top laner, mais voilà, entrée remarquée pour le petit Nenny. Effectivement, avoir autant de kill participation, ça veut dire deux choses. Un, on joue pour son il joue pour son équipe, mais également le fait que Kushun passe pas mal sur le top side également. Donc ça joue autour de lui, ça continue de jouer à peu près le même style qui nous avait déjà été montré du côté d'Invictus Gaming en donnant de l'attention au top. Donc même si The Shy n'est pas là, on continue d'avoir à peu près le même jeu. Et là, on revoit certains moves avec Wukong. Son flank, par exemple, juste ici, était excellent. Et les IG nous ont quand même réussi à sortir. Et là, C'est ce play où on avait crié au cast avec Nox, hein, il me semble, puisque c'est un Wukong, un ennemi absolument ingérable dans la backlane qui arrive à trouver un Kog'Maw qui derrière se met plutôt bien. Il aurait eu le MVP, je pense, si la game avait été gagnée, sauf que vous l'avez vu hein, vite fait, composition d'Edward Gaming, il y avait Sylas, Kog'Maw, Lulu. Bon, à un moment donné, quand t'arrives assez lent dans la game, c'est trop fort. Voilà, c'est exactement ça. Hein. On est allé jusqu'au bout de la partie et au final, ça s'est mal passé pour Invictus Gaming. On aura sûrement l'info juste après, mais sur la première semaine, le rookie de la semaine, on regarde tout de même du côté de Nenny. Ouais, il me semble d'ailleurs que c'est Nenny. Hein. D'ailleurs, Killy, si tu as les petits assets rookie de la semaine. Je crois que c'est On, le support des Sunning en deuxième. Je crois pas qu'il y a de Nuguri dans... Parce que bon, Nuguri, Viper, voilà, considéré comme rookie, ouais, hein, parce que c'est leur première année en LPL. Mais ouais, Nenny est bien le rookie de la semaine. C'est amplement mérité, hein, de toute façon. Il est également au mid chez les Thundertale, qui remplace Captain, qui est un petit peu déçu. Je l'ai pas trouvé très flamboyant.
sur le sprint, sur le début du summer non plus. Du coup, voilà, on met Ye à la place qui a fait deux très bonnes games contre W avec son set. Mais ce sont de vrais rookies, comme tu as dit, pas Nuguri, pas Viper, ouais. Ni rien. D'ailleurs, Chao Saobao, le mid laner des Ultra Prime, est-ce que tu as vu que voulait dire en chinois son pseudo? Oui, Little Trash. Ouais, voilà. Du coup, on est d'accord. Ne dévoile pas mes questions pour le quiz du Bagarre Club. Ouais, mais du coup, quand on le traduit en français, c'est petite poubelle ou petite merde? Ouais, c'est quelque chose comme ça en tout cas. Ouais, voilà, c'est plutôt assez agressif quand même comme un pseudo. Peu, un petit peu. Ouais. Mais en tout cas, c'est un banger name. C'est bien qu'il nous en mette à côté parce que bon, le nouveau joueur, le petit 89-17. Frérot, ton pseudo, du mec qui rename en Elk et qui justifie ça en mode bah, j'aime bien l'association des trois, ça fait bien. Non, 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 c'est très bien, Jumeng. Jumeng, c'était stylé. Reste avec ce pseudo de base. C'est vrai, bon, petit rename du côté de certains joueurs. D'ailleurs, en parlant de joueurs, il y a l'entrée des OMG. Vous le voyez, New Aki, Krem, Abel et Cold qui vont pouvoir eh bien, rentrer dans ce stade de Shanghai. D'ailleurs, il va y avoir un petit affrontement New contre Nenny qui me hype plutôt pas mal au niveau du top. Non, effectivement, ils ont déjà dû s'affronter au moins une fois en LDL. Quoique New est arrivé l'année passée chez RNG, donc c'est possible qu'ils ne se soient pas croisés. Je ne connais pas l'ancienneté de Nenny en LDL. Mais en tout cas, ce sont deux joueurs récents, deux très bons joueurs de Wukong, justement, que nous avons déjà vus. Sachant que Wukong est un pick prioritaire du côté de la LPL désormais, avec le buff du Profondeur Divin. Mais un Wukong, ça se fait counter par une Camille, par exemple. Ouais, clairement. Et pour répondre à ta question, pendant qu'on voit l'entrée hein, des joueurs d'Invictus Gaming, New, il est chez les OMG depuis décembre 2020, donc voilà, juste avant le Spring 2021, et avant ça il était chez les RNG de mai 2020 à décembre 2020, donc pour le summer 2020, et ensuite il était effectivement en académie. Ouais, en académie, il a pas passé tant de temps que ça, hein, vu qu'il est passé chez Vici Gaming, il était en sub à ce moment-là, donc New, il a fait un passage très rapide en académie avant de rentrer directement dans la cour des grands. C'est tout de même du côté de Nenny. On a un peu de chance de pouvoir avoir l'opportunité de jouer sur la LPL, parce qu'à partir du moment où tu es recruté en tant que top laner chez Invictus Gaming, bon, c'est clair. Tu sais que tu vas avoir des difficultés à rentrer dans le roster principal, donc avoir cette chance d'avoir 3 BO complets à pouvoir jouer sur la grande scène et se faire un peu un nom aux côtés de Rookie, c'est une excellente chance qu'il a déjà bien réussi à tirer. Ouais, clairement, Rookie s'exprimait d'ailleurs sur le fait que autour de lui, finalement, il y a des jeunes joueurs hein, dans cette line-up d'Invictus Gaming. Il n'est pas avec The Shy, deux anciens de cette équipe. Et du coup, il sait qu'il a ce rôle de grand frère un petit peu. Un rôle qu'il n'aime pas forcément, mais qu'il accepte de jouer hein, pour son équipe. Hein. Il s'était prononcé au micro de Wendy un petit peu plus tôt dans ce Summer Split. Et Nenny, par contre, j'ai trouvé très régulier. Le duo avec Rookie marche bien, le duo avec Shen marche bien également, mine de rien, côté Invictus Gaming. Et comme tu le dis, il prend énormément d'XP du côté de cette équipe. Je ne sais pas si The Shy va lui donner beaucoup de conseils, va l'accompagner, ou si vraiment il va y avoir cette rivalité pour ce poste de titulaire au niveau de la top lane. Mais moi, je trouve que c'est vraiment quelque chose de bien, puisque tu vas avoir un The Shy peut-être qui va avoir un petit peu la pression d'avoir un gros sub derrière lui, et peut-être que ça va le booster pour être plus régulier, plus fort, plus The Shy. Ouais, j'y crois moyen. Hein. J'y crois moyen, parce que outre les performances de The Shy, c'est une idole, c'est une star. Ah ben ça, c'est sûr. C'est vraiment un joueur qui a été élevé au rang de star. Donc peu importe si ça fonctionne bien ou pas, tout le monde a envie de voir The Shy jouer, tout le monde a envie de le voir dans son style. Et de temps en temps, ses coéquipiers n'ont qu'à supporter ces différentes Kalista et Vayne sur le topside. Ouais, après, c'est sûr que le public veut voir du The Shy. Après, est-ce que lui, The Shy, ça lui met pas quand même individuellement la pression un petit peu, ou l'envie de sortir un petit peu de sa zone de confort d'avoir un sub derrière? C'est la question. En tout cas, le Rumble qui sera sécurisé en entrée pour les OMG, ça fait partie des picks hein, qui ont pour l'instant 100% de présence, comme Nocturne et comme Renekton. Ouais, très 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 prioritaire. Et justement, normalement, on attend à ce que le pick Nocturne soit volé du côté des Invictus Gaming. Le combo Nocturne-Rumble, même si la synergie ne paraît pas évidente, le fait d'éteindre la lumière, d'avoir un ulti directement après de la part de Rumble, permet d'avoir une phase de teamfight très forte et une composition qui peut aller chercher la backlane beaucoup trop facilement.
Ouais. Ah tiens, en parlant de backlane. Oh, oh ce sera un Lulu Cog du côté d'Invictus Gaming. La dernière fois qu'on les a vus en LPL, c'était contre les Edward Gaming, c'était le week-end dernier. Et ils ont pris ce combo dans la bouche. Donc cette fois-ci, c'est Winky et Lucas qui vont jouer ce Kog'Maw Lulu. Il n'y a pas la Karma, donc finalement, en termes de support un peu enchanteur, il n'y avait plus que Lulu vraiment fort dans la méta. On répond par un set du côté des OMG. Du coup, on a de la range, mine de rien, en termes d'engage avec cet Equalizer qui peut venir surprendre depuis le Fog. On a un set également pour y aller. On a vraiment envie de leur rentrer dedans, côté OMG, avec une Kai'Sa en prime. Ouais, le set, je l'attends peut-être à la mid lane. Faudra voir, il garde une grosse flexibilité entre la top lane, la mid lane et le rôle de support. Du côté d'ID, il nous reste encore un poste, on pourrait choisir un Udyr dès maintenant pour pouvoir au moins une petite assurance dans la jungle au début de la partie. Ou alors, petite Akali, on sait qu'elle a souvent été prise en raid 3 avant la deuxième phase de ban pour être sûr de pouvoir la jouer. Mais ce ne sera pas le cas ici. C'est peut-être même les ID qui vont commencer à attaquer la Akali, vu qu'on a vu précédemment que Krem était un joueur de ce perso. Ouais, le problème côté OMG là, si on veut jouer ce genre de champion, c'est qu'on n'est pas red side, donc il y a possiblement des counters qui pourraient être pris. Et Rookie, il a un champion de pool très très large. On se souvient également de sa Nico qui pourrait revenir au niveau de la mid lane, qui peut venir surprendre, qui est très fort en domination de lane également. Donc voilà, il y a des petites choses auxquelles il faut faire attention. Nautilus et Lucian de banan sur cette deuxième rotation. Pour l'instant, on va focus Rookie, je pense, côté OMG. Ouais, et dans tous les cas, on ne l'a pas encore beaucoup vu à notre plus grand désarroi, mais les assassins, les melee mid lane ont des counters qui ne sont pas encore joués. On pense particulièrement à Galio qui était omniprésent dans la méta pour pouvoir contrer ce genre de pick. Tu prends une Leblanc, tu prends une Akali, tu prends un Echo, et bah tu te prends un Galio en réponse. Et justement, le Galio est ban, ça annonce la couleur du côté de Krem. Il a justement envie de jouer un assassin mêlée. Ouais, ça se sent clairement côté OMG. Ah, le timing. Et du coup, le set ne serait donc pas mid, mais peut-être support avec la Kai'Sa. C'est un combo qui marche bien, mine de rien. Mmh. Mais le set, en général, t'aimes bien quand même être contre des supports mêlés pour pouvoir aller les trade facilement et ensuite capitaliser sur ta régénération en passif qui est très forte. Là, la Lulu et le Kog auront normalement assez de range et ont plus de range, quoi qu'il arrive, qu'un Kai'Sa set. Donc ce serait un petit peu le souci. Réintroduction Volibear côté Invictus Gaming. J'imaginerais bien du côté de Oh My God une rel au final. Bah. C'est bon, je lâche tout, je demande un ban Galio, on a le ban Galio, je demande la réelle, on a une réelle. Parce que le set au final fonctionne bien au top face au Volibear. On a besoin d'art d'engage, de break shield pour pouvoir aller attaquer ce Kog'Maw Lulu. Donc la réelle est excellente ici et on va pouvoir donc avoir un pick AP mid lane beaucoup plus agressif. La Akali reste toujours jouable pour Krem et c'est un... J'ai toute la draft, c'est let's un go stomp. C'est un stomp de la draft. Et qu'est-ce qu'on pourrait venir prendre là côté Invictus Gaming? Parce qu'il y a beaucoup de go-in côté OMG. On veut peut-être pile, on veut peut-être se prémunir de ces engages. Une dispersion d'effets pourrait être sympa. On a une Orianna également qui peut venir pile. Le Sylas est une réponse agressive dans le match-up Akali. Mm-hmm. Le contrôle de wave est très important. Akali a l'avantage d'avoir un petit peu plus de range et d'avoir un peu plus le contrôle de la wave. Là où Sylas par contre a vraiment l'avantage dans les trades grâce au Régicide. Ouais, grâce au Régicide, mais ça reste toujours un match-up très très compliqué. Ouais, c'était Veto. C'est skill match-up. Hein, voilà, c'est Veto qui en parlait, c'est peut-être le match-up à la mid-lane actuellement le plus 50-50, le plus skill dépendant. Les deux ont la capacité d'all-in sur leur adversaire. Les deux ont besoin d'anti-heal pour pouvoir prendre le dessus. La Akali peut faire le choix de partir sur un Ignite, d'abandonner le flash pour pouvoir prendre le dessus dès la phase de draft. Ah, c'est vrai que TP Ignite, c'est des choses qu'on voit de plus en plus. C'était joué particulièrement par des Camille, des Gwen aussi un petit peu plus récemment. Pourquoi pas également au mid là pour la Akali de Krem, les coachs qui se saluent. Et on va avoir une très très belle première game au vu de cette première draft dans cette première journée de la deuxième semaine du summer de LPL. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et on a des ultimes sympas quand même à les subtiliser avec ce Sylas. Il y a un Equalizer, il y a un clou du spectacle. L'ultime d'Akali également permet à Sylas de se mouvoir beaucoup plus facilement dans les teamfights. Après, pour l'instinct meurtrier et la tempête magnétique, c'est un petit peu plus compliqué à utiliser, un peu plus engageant. Mais voilà, il y a quand même de quoi faire côté Sylas de Rookie. On s'attend particulièrement à ce qu'il vole l'ulti d'Akali en permanence. Habituellement, quand tu arrives dans les teamfights, c'est celui que tu aimes le plus prendre parce que les dégâts du R2 sont dans tous les cas le plus agréable. Et surtout,
qu'avec Sylas, tu peux l'utiliser de manière extrêmement efficace. Si tu n'as pas besoin d'utiliser ton E pour go in, tu peux utiliser le R1 d'Akali, mettre ton premier combo, E out en temporisant, tu R in à nouveau, tu touches la chaîne, tu remets ton combo, et ça permet à Sylas d'avoir beaucoup plus d'opportunités en teamfight, en skirmish, et c'est autour de ça que ça va réussir à se jouer, parce que les Invictus Gaming ont fait le choix de partir sur une composition teamfight avec un front-to-back très connu, Volibear Udyr devant et Kog'Maw Lulu derrière pour pouvoir faire tomber des Oh My God qui arrive avec une composition beaucoup plus agressive. Ah, c'est très agressif. Normalement, on peut également passer cette frontline pour aller chercher directement la backline. Problème, cette Lulu qui peut pile fortement le Kog'Maw. Le combo est connu également pour ça. Et on est parti dans cette première game de la journée. Les Jayos sont lancés par le public. Et une petite ward pour voir un petit peu le passing de Shen. Effectivement, il ne pourra pas commencer à son red buff aussi facilement. Rookie Lucas et Wink vont également prendre l'information de l'autre côté. Une ward a été posée au niveau des Corbins. Donc on va avoir l'information globale sur le start des deux junglers. Tandis que Cold et Abel vont tenter un petit cheese niveau 1 pour pouvoir prendre l'avantage direct sur Kog'Maw Lulu qui ne passera pas grâce à la bonne ward posée précédemment par la botlane IG. On a complètement vu ce cheese côté Wink et Lucas. Et on va jouer sur cette wave bien sûr, et Kog'Maw Lulu ça a de la range, ça a plus de range que Rell et Kai'Sa, donc on peut contrôler la wave un petit peu plus facilement. D'ailleurs on le voit, hein, le push qui est largement contesté, mais on sait qu'on n'a pas l'avantage de range côté AMG, donc on aura une prio early côté Invictus Gaming au bot et au mid. Comme on en parlait, ça va se taper dessus tout le long de la phase de laning. Ouais, ça va être plutôt violent. On n'a pas d'ignite de part et d'autre, donc l'orbe de l'oubli sur Akali sera peut-être son premier back, ce qui retardera son créateur de faille, mais qui lui permettra de prendre le 1v1 d'une meilleure des manières. Oroki aura déjà claqué quelques potions de corruption. Avec le niveau 2 qui a été atteint, il peut commencer à trade back avec le régicide, mais il a tout de même du mal à avoir accès à la wave pour l'instant. On va passer sur le bot side maintenant pour Shen, et vous l'avez vu, regardez le rumble, il est vu, hein. Il y avait deux wards, une devant les raptors, une au niveau du red buff. Du coup on connaît le passing de Aki, on sait qu'il a clear tout son top side. Et on va faire un full clear pour l'instant du côté de Shen. On peut garder le 4 camp pour Aki, mais j'ai l'impression qu'il va plutôt s'orienter vers ses raptors ou vers peut-être le top side pour aller récupérer le Carapater top. Il veut pas, je pense, aller trade sur un Shen qui a une grosse prio au niveau de la bot lane. Du coup ouais, il va finir ses raptors et aller récupérer plutôt le Carapater de l'autre côté de la map. Effectivement, mais on a eu une petite ward hein, qui vient d'être posée par Neni pour avoir l'information sur le Carapater top side. Rookie et le life, le mana, plus de potions de corruption. Donc à la mid lane, normalement c'est Krem qui pourra décaler en premier si jamais les junglers en ont besoin. Mais aucune contestation sur les deux carap. On va avoir une petite ward qui va être posée par ce rumble dans la jungle adverse. Pendant qu'on reset tranquillement et qu'on va même utiliser les téléportations pour Rocky. Ah Neni, hein. Il voit qu'il va y avoir le bones de la wave. Il y a un peu plus de sbires du côté de Nu, du coup il n'a pas forcément besoin d'avancer. Il va la laisser venir cette wave, et il y a le rumble hein, de l'autre côté. D'ailleurs, sympa hein, ce qu'ils ont fait au niveau du smite, je trouve. J'aimerais bien avoir ton avis là-dessus, Zerotic, mais c'est vrai que le fait que maintenant ça détruise le shield, bah, ça permet à des junglers comme Rumble qui n'ont pas cessé de le faire. Oh, bah par contre, Shen va passer immédiatement sur le top side pour ne pas voir son top laner se faire dive. Il a pris un gros chunk. Même y avoir le back de la part de ce Rumble. Et bon, le choix sur le Carapater, je suis d'accord avec toi, c'est une bonne chose. En plus, ça commit le smite, ça veut dire que si tu l'utilises initialement pour le shield, bah, tu peux te faire sanctionner effectivement en te le faisant voler. Donc, selon moi, c'est une bonne chose. Après, je suis pas partisan du smite 450-900. Ouais. Je suis pas partisan de ça parce que même si on a rajouté le catch-up XP dans la jungle, le fait qu'il n'y ait plus de différence concrète qui peut être créée dans la jungle par un avantage de niveau et par un meilleur passing, bah, ça réduit un tout petit peu l'impact qu'auraient pu avoir les junglers. Ouais, ça peut encourager par contre le fait de vouloir gank. Peut-être que c'est ce que Riot veut clairement faire avec ce genre de changement. Jungler un peu plus orienté gank pourrait revenir grâce à ce genre de choses. C'est des choses qu'on a déjà vues hein, d'ailleurs, avec de la Nidha qui revient, ce genre de pic. Du Gragas. Ouais, Gragas aussi, c'est sympa. Surtout qu'on a un petit Shadow qui est arrivé du côté de la LPL, et son Gragas est
plutôt reconnu. Donc ouais, ce serait sympa de revoir ce genre de pick flexible également, top selon les match-up et également support. Oui, donc ça rouvre effectivement le champion pool de jungle, mais seulement ils ont appuyé peut-être un tout petit peu trop fort sur tout ce qu'ils ont voulu changer dans la jungle. Bon, dans tous les cas, on a encore du Udyr pendant un petit bout de temps. Sur le patch 11.12, donc le patch live, pas le patch pro, on a un petit nerf de Udyr qui réduira peut-être un peu sa vitesse de clear, mais qui ne l'empêchera pas d'avoir toujours le même travail. Courir, bonquer, stunner et recourir. Ouais, c'est cycle sans fin pour Udyr qui adhère. Du côté de Shen, là, il est en train d'engage déjà ce dragon des montagnes. Ça a été vu, bien sûr, avec la ward positionnée dans le pit côté OMG. Mais pas de contestation possible. On avait une petite prio du côté de Rookie qui est bien exploitée là-dessus. On a toujours la prio au bot grâce au Lulu Kog. Et Rookie qui continue de zoner. Ce sera une ward reprise par Aki. Mais bon, un Drake en parallèle. C'est une bonne opération et un bon contrôle de l'objectif côté Invictus Gaming. On a le back immédiatement de la part de Wink et Lucas qui vont pouvoir faire leur premier back également. Ce sont des bots qui ont été pris. Nenny contre New. Ouais, il y a beaucoup trop de creep. Beaucoup trop de ouais. Mais bon, ça n'a pas l'air de déranger tant que ça un Volibear. Passage à la mid lane. L'Orbe de l'Oubli a été récupéré par Krem sur Akali. Il est désormais 15 creep devant. Il va pouvoir continuer d'asseoir sa domination. Parce que du côté de Rookie, on a fait le choix d'un peu plus, de sustain, un peu plus de dégâts dès le début de la partie. Mais malheureusement, on ne pourra pas prendre cet Akali en 1v1 à partir du passage niveau 6. Ouais, c'est le problème, mais on l'avait vu de toute manière dans les runes. Il a le filtre en inspiration, il a les cookies, potions de corruption avec le sonore. Tu veux vraiment avoir les potions les plus efficaces et les consommables les plus efficaces possibles hein, du côté de Rookie pour tenir justement le POC, parce qu'il y a un petit peu plus de range côté Akali. Attention par contre là, le going potentiel, mais bon, la smoke c'est tellement permissif pour Krem. On vole par contre l'ultimate de cet Akali, il faut rester vigilant pour Krem. Ouais, et grâce au passage de Lucas, on va peut-être avoir un petit timing sur lequel Rookie va pouvoir avoir un avantage de tempo. On va voir comment il va choisir de l'utiliser. Il n'y a pas encore le héros de la faille. Il n'y a pas vraiment de choses à faire sur le bot side. À part prendre une petite ward de vision au niveau du red buff qui apparaîtra bientôt pour les Omega. Au niveau de la botlane, toujours le contrôle de la wave. Et au mid, attention. La priori pour l'instant pour Rookie, chaîne n'est pas très loin, la chaîne ne va pas connecter. Le régicide par contre pour régène un petit peu. On a l'information sur le positionnement de Rookie, mais Krem là qui pourrait trouver des opportunités, des fenêtres d'agression encore. Chaîne n'est pas très loin, ward positionné du côté de Krem. Et d'ailleurs la ward de Rookie n'a pas passé le mur. Un Krem qui joue bien pour l'instant, par contre il faut faire attention du côté de Haki. On a le décalage une nouvelle fois de la part de tout IG pour pouvoir contester ce red buff. Pink ward posé par Cold. Qui est niveau 6, qui a son ultime de disponible, on n'ira pas plus loin. D'ailleurs, on est passé niveau 6 plutôt du côté du support que du côté de la décarie. Hein. C'est vrai. C'est vrai, peut-être un peu plus de cash d'XP de son côté. Nini. Ah, ça continue hein, de se bagarrer au niveau de cette top lane. On a la prio, apparemment, toujours pour New avec un casse-tête, un aimmaker. Surtout qu'il n'a pas de mana, c'est assez simple à prendre de son côté. Il y a le foudroiement pour contester côté Nini. Mais les trades ont plutôt l'air d'être à l'avantage du top laner d'Invictus Gaming. Ouais, je dirais que de toute façon, qu'on voit actuellement sur le top side, Nenny est content d'avoir juste les waves qui viennent vers lui. Aucune ouais. plaque n'a été prise. On a une énorme attention des deux junglers au niveau du bot side. Le match-up mid lane est très volatile, donc on a également eu des passages des deux junglers pour pouvoir juste assurer leurs mid laners respectifs. Donc pour l'instant, on est juste content. Mais le seul moment où on passe sur le top side, c'est Nenny qui a réussi à bounce la wave dans le bon sens. Ah, il y a qui ? Jungler des OMG qui est en train de faire le héros de la faille sur ce timing où Shen arrive également sur son topside. Il y a des pings du côté Invictus Gaming dans la rivière. Mais pour l'instant, pas de contestation. Le bulbe est là. On va y aller quand même du côté de Shen. Est-ce qu'on peut réellement s'utiliser ? Il y a un smite de part et d'autre, sauf que le smite de Shen, il est boosté, du coup il a clairement l'avantage en termes de smite. Ce sera récupéré par l'Invictus Gaming Rookie, flash out, mais on va pouvoir aller chercher ce kill avec la maîtrise absolue de Krem qui prendra le first blood en 1v1. En 2v1. En 2v1. En 1v2, il y avait Colt qui a placé un petit ignite. C'est vrai, c'est également, vrai. Je ne sais pas s'il a réussi à toucher le stun, mais en tout cas, bon travail pour les Oh My God. On perd un objectif neutre, mais on gagne le premier sang sur une Akali. Donc excellentissime. En plus, la wave va pouvoir être crash pour Krem, qui va pouvoir avoir un back en plus de ça extrêmement avantageux. Donc on va avoir le place dans son ensemble.
Cold qui est placé sur le côté et qui va avoir l'opportunité de go in sur Rookie. Ouais. Ouais, il a trouvé l'engage, ouais. Effectivement, au moment où Shen subtilise le héros de la faille. Et du coup, après c'est trop compliqué hein, pour Rookie qui se fait avoir là-dessus. First Blood pour Inakali qui récupère eh bien, ses bots du sorcier, un petit peu plus d'AP. On a un petit cristal également pour résister un petit peu plus en termes de pool de HP. Mais bon, au moins on a ce héros de la faille. Et c'est surprenant que Aki soit allé engage ce héros de la faille sans le smite amélioré. Effectivement, on avait un petit avantage du côté de Xun qui avait mieux géré cette nouvelle mécanique. Donc comme quoi, même avec cette nouvelle mécanique, il y a des junglers qui arrivent à prendre un petit avantage dessus. Ouais. Il me fait mentir avec plaisir. Attention, Rookie qui ne trouvera pas la chaîne sur Crème, qui joue intelligemment derrière ses sbires range. Logique, on va éviter un maximum les trades rapprochés entre les deux champions du côté de la Akali. Shen qui est là pour cover aussi au niveau de la prise de prio de la mid lane. Il y a ce dragon infernal Zerotic qui vient de faire son apparition et les Invictus Gaming bien sûr veulent les récupérer. On a déjà réussi à avoir la pression au bot une nouvelle fois. À chaque fois qu'on a tenté quelque chose sur le bot side, la bot lane d'AIG était dans de meilleures situations pour pouvoir le faire. Là, malheureusement, du côté de Abel, on est obligé d'aller catch la wave avant de pouvoir jouer ce fight. Et en plus de ça, on a une téléportation qui va arriver dans le back de la part de Nenny. C'est excellent, il va directement foncer sur Cold. Le stun va passer, mais le flash de Cold aura été encore meilleur. Le set qui arrive, le clou du spectacle, malheureusement, qui ne ramène envers personne. Mais l'ultime de Rumble est excellent ici. Par contre, Wink est toujours en free DPS, il va tomber sous les coups de la Akali une nouvelle fois. Le kill de l'autre côté est récupéré par Aki avec son Rumble. C'est au final un 2 pour 1 à l'avantage des Oh My God qui auront réussi à prendre le meilleur sur les IG dans cette rivière. Ouais, ils vont également récupérer ce Drake. Donc on se met bien côté OMG, on est devant en termes de gold et on va pouvoir avec cet infernal stacker un petit peu les dégâts, un petit peu en termes de scaling. Revoyons ça. L'arrivée de Nenny, flash out forcé sur Cold. Derrière, on est bien groupe, on va subtiliser, on va détourner le clou du spectacle pour le Sylas de Rookie. Sauf que le travail de New était monstrueux. Nenny arrive un poil en retard et derrière, il se fait un petit peu alpaguer par Cold et par Aki. Et derrière, on a une Akali un petit peu en électron libre qui fait les dégâts, qui récupère un kill, une assist et on a un bounty sur Crème. Oh, déjà une bounty donc. On nous avait dit de faire attention à ces persos assassins. Il a réussi à avoir ça à Kali. Malheureusement, le match-up Sylas n'a pas été suffisamment punitif pour Rookie qui est bien derrière désormais. 20 creep d'écart, 2 kills à 0 pour Crème. Qui part sur une protobelle d'ailleurs, pas de créateur de faille. Ouais, on aura plus de clear le... C'est pas si idiot, je pense. Non, ça lui permettra d'avoir un accès à la backlane encore plus facile. Ouais. Par contre, les dégâts gratuits que vient de mettre Wink, c'est illégal sur Cold, qui n'aurait jamais dû se positionner autant en avant quand le Z de Kogmo était actif. Ah, c'est bien également ce que vient de faire Lucas. Juste le fait qu'il se soit reculé et qu'il n'ait pas volé des golds supplémentaires à son Kogmo. Ouais, il faut pas, quand vous êtes support, voler les golds comme ça sur les plaques. Laissez-les à votre AD, Kari, ça snowballera, sera beaucoup plus efficace. Oh, 160 gold supplémentaires pour Crème, qui continue de mettre une pression immense sur Rookie. Dans la panade, dans ce match-up d'assassin. Ah, il arrive à le faire snowball ce match-up. Et c'est tout à son honneur contre Rookie, c'est pas n'importe qui. Donc on se met bien. On a eu le back du côté de Coq qui nous fait la fameuse optimisation avec le haut bout du rouleau, derrière ses Runan. Et ensuite on verra ce qu'il nous fait un petit peu comme... mythique. Attention, le go-in de Crème sous la tourelle, il se repositionne avec la maîtrise absolue. Deuxième air qui va partir en 1v3. Il arrivera à mettre des dégâts à Rookie et à se replier. Bonne opération pour le mid laner, encore une fois, des OMG. Faut qu'il fasse attention par contre, il a passé à smoke pendant un petit temps. Rookie pourrait aller à l'agression, donc c'est bien qu'il recule, qu'il temporise le retour de son Shroud qui va arriver d'ici 3 secondes. Cold va le protéger, lui permettre de jouer tout de même cette wave. Donc Rookie va respecter. Et Akali va pouvoir back tranquillement. Bon travail, bon décalage de Cold pour assurer son mid laner. Par contre, sur le bot side, on a une petite wing diff qui commence à se faire. Il a en permanence de la pression, il a les dégâts. Et il avait une petite Lulu qui était déjà revenue. La première tour
semble aller du côté d'Invictus Gaming sur la prochaine wave. Ah, on va la récupérer, en plus il y a Shen qui est là en soutien. Et regardez Roux qui vient de faire décalage de la mid lane vers la bot lane. Et la tourelle qui va être récupérée. 250 gold, c'est tout pour Wink. Lucas a pris des gold aussi. Ah, Lucas a dû prendre des gold, ouais. Aïe. Il y a dû avoir ça, mais on a dépassé la 14e minute, donc il n'y avait plus les gold supplémentaires de la dernière plaque. Et sur le top side, normalement, Nenny va pouvoir commencer. Ouais, voilà, Nenny va pouvoir commencer à prendre des 1v1 un peu plus violents. Le pourfendeur divin est débloqué. Du côté du set, évidemment, un estropieur, ce qui lui permettra d'avoir un meilleur positionnement en fight. Mais dans le 1v1 pur, c'est désormais le Volibert qui a la main mise. Ouais, les coques en acier vont faire la diff. Il commençait déjà à prendre les 1v1, on l'avait vu un petit peu plus tôt. Mais là, c'est sûr que ça va venir accentuer un petit peu tout ça. D'ailleurs, héros de la faille qui a entamé encore une fois par les OMG. Cette fois, on a bien sûr le smite amélioré du côté de Haki. 3800 HP pour l'instant. Les IG sont à la contestation. Il engage du côté de Golden Saint-Meurtrier directement pour Abel qui tente de se repositionner. Il est face à Shen. Hein. Shen qui se repositionne dans la jungle, mais il est du mauvais côté. Le jungler d'Invictus Gaming pendant qu'on se repositionne. Mais on arrivera à prendre avec le deuxième air du côté de Crème. Le kill sur Lucas. La bot lane d'Invictus Gaming est tombé. Crème continue de mettre un maximum de dégâts sur le duo mid jungle et le héros de la faille va être finalement posé sur cette mid lane. Les OMG Zeroti qui emballent la partie. Ouais, ils emballent la partie là. Désormais la tour est condamnée, il va même sûrement avoir une seconde charge si on souhaite l'accompagner. Tempête magnétique a été volée du côté de Rookie qui tente une engage, mais c'est complètement raté, c'est complètement piffé. Ce n'est absolument pas le blaze qui aurait dû être fait. Ils étaient en infériorité numérique. Pas assez tanky pour Rookie pour pouvoir espérer avoir quoi que ce soit. Et c'est un nouveau kill qui a été offert. Oh my god. Ouais, on est à plus de 2000 gold d'avance maintenant pour les OMG. À la 17ème minute de jeu, ils font un très très bon travail. Et ça fait plaisir de les voir bien à ce niveau contre pas n'importe quelle équipe, hein, contre les Invictus Gaming. On a les sauts noirs pour le duo mid jungle des OMG qui se stack également 8 stacks de part et d'autre. Et on est proactif, on va engager ce potentiel second dragon côté OMG. Ah, je croyais que c'était Cole qui l'avait récupéré. Non, c'est Abel quand même, avec Sakaisa qui a récupéré les 120 gold du Carapateur. Pendant ce temps, que font les Edgy? On regarde au niveau du topside, on prend un peu de vision, mais malheureusement, à part une tour sur la prochaine wave, ils ne prendront rien d'autre sur ce blaze. Donc on va sûrement revoir le fight des Oh My God au niveau de la rizière. Mais cette Akali fait bien trop peur et à partir du moment où une Rell arrive à avoir l'engage initial sur un Kog'Maw, comment peuvent-ils faire? On revoit l'instinct meurtrier, on a envie de collapse sur Abel. Le problème c'est qu'on est bien groupé côté OMG pendant toute la durée de ce fight. On n'est pas encore dans le timing où le scaling s'est mis en place côté Invictus Gaming, hein, là où Krem lui il est déjà en train de s'amuser dans cette partie, le Sylas Kog Lulu. Il va falloir encore plusieurs minutes pour qu'il devienne réellement utile. On est si loin du côté de Rookie avec son Sylas. On n'a pas encore le gel éternel, on a que des bottes de lucidité. On n'a pas encore de Runan du côté de ce Kog'Maw. Donc là, les Oh My God ont un temps fort pendant encore très longtemps avant que les Invictus Gaming aient un espoir de pouvoir faire quelque chose en fight. Leur espoir, c'est que les Oh My God oublient d'un coup d'un seul que le Kog'Maw existe, qu'on décide de ne pas l'engage et qu'il peut être en free DPS. Mais c'est un espoir extrêmement mince quand tu vois qu'en face tu as tout de même Rell, Set et la Kai'Sa pour pouvoir accompagner. Une Rell qui d'ailleurs sera partie sur Shurelia, hein, donc ça a juste envie d'engage tout droit. Ouais, clairement. C'est Meiko, hein, qui se prononce un petit peu sur le Shurelia et le retour des enchanteurs. Mais bon, Shurelia sur Rell, c'est pas choquant. On va pouvoir avoir plus de mobilité dans les phases de regroupement. Regroupement ici d'ailleurs côté OMG qui reprennent totalement la vision et qui plonge l'Invictus Gaming dans l'ombre dans cette jungle bot side. Subtilisation de ce blue buff pour Crème, il y aura beaucoup plus d'énergie pour pouvoir virevolter un petit peu dans les escarmouches, dans les teamfights. On est revenu un petit peu en gold côté Invictus Gaming, mais là ça va être un timing important côté OMG pour réussir quand même à aller chercher ce snowball. On sent qu'il domine dans les phases de regroupement, il faut jouer dessus. Mais du côté d'IG, on a tout de même encore un bon espoir avec Nenny sur le topside. On ne l'a pas vu dans les derniers affrontements, ouais. Et c'est peut-être lui qui va pouvoir réussir à créer une différence, que ce soit sur le side, sur les flancs, avec une téléportation qui est disponible, pour pouvoir réussir à surprendre la composition des Oh My God. Mais pour l'instant, on se serre juste gentiment la main, on s'échange les tours sur l'ensemble de la carte, et ça va être la seconde tour des Oh My God. Il leur reste à récupérer une tour à la top lane,
pour avoir fait tomber toutes les T1. Ouais, elle est proche de tomber d'ailleurs, hein, cette tourelle au top. Donc on voit, regardez, le 18 juin, ce sera l'entrée des RNG dans la compétition. Ils ont eu un petit peu plus de temps que les autres équipes, puisque, vous le savez, les RNG ont remporté le MSI. Du coup, ils ont eu de la compétition, eux, en mai. Donc la LPL a accordé une semaine de plus aux RNG pour se reposer. Du coup, introduction le 18 contre les OMG. Et au vu de ce qui se passe au mythe pour Krem, Krayn peut peut-être avoir quelques petites sueurs froides. Pour Krem, j'espère qu'il choisira l'un des counters qui existe du côté d'Akali. Là, cette fois dans cette draft, au moins on a eu un ban respect où le Galio a été retiré de la draft. Sinon, ça aurait été un last pick Galio pour Invictus Gaming. Mais il y a d'autres counters à Akali. On a le Galio, mais on a également d'autres trucs encore plus violents pour contre un assassin. Malzahar, Lissandra. Ou encore, un petit choix qu'on a déjà vu du côté du LEC, un Corki fonctionne bien également, son itemisation à base d'arc bouclier lui permet d'être un peu moins sensible aux assassins, et sa bombe au phosphore empêche la smoke d'Akali. C'est vrai, c'est une bonne réponse finalement, et t'as quand même un scaling assez violent sur Corki. Et tous ces dégâts en AOE de Corki. C'est une dinguerie. Donc voilà, si t'as envie vraiment d'avoir un perso qui fait du DPS à la mid lane pour pouvoir contrer une Akali, il y a le Corki. Et t'as même de la range pour prendre la prio, etc. C'est un bon choix. Un peu plus tricky à mettre en place que Malzahar ou Lissandra qui n'aura juste qu'à appuyer sur R dans les phases de regroupement. Mais c'est une possibilité qu'il faut garder en tête pour les prochaines phases de draft. Regarde Zerotic, on en parlait de cette dernière T1. Elle est récupérée sur cette top lane par New. Donc plus de T1. Côté bien OMG à aller chercher, la seule qu'il reste c'est cette tourelle mid lane côté OMG. Mais bon, celle-ci on va la défendre corps et âme pour l'équipe Blue Side. D'ailleurs, on va commencer à se regrouper, à s'intéresser à ce second dragon des océans, potentiellement troisième Drake pour les OMG. Faut prendre la prio mid, faut prendre la prio bot. Et de conserver un petit peu tout ça, on envoie Krem pour l'instant sur le top side. Il a sa téléportation de disponible et on l'a vu précédemment, on était bien avancé dans la jungle bot side côté OMG. Donc voilà, il y a peut-être des wards qui traînent pour des TP flank très intéressantes pour Krem. Alors là, ça c'est pas une téléportation en flank du tout. Je sais pas, ceux dont je parlais avant de Nenny. Il a rejoint immédiatement son équipe. Il va se positionner en front lane avec Pourfendeur Divin plus Visage Spirituel. Il l'a principalement pour Regen, mais prendra tout de même beaucoup de dégâts de New et de Abel. Donc on va faire attention sur son positionnement un tout petit peu. Il est vu, il a été révélé par le dragon notre Marine Engage qui a été tenté de la part de Cole qui va réussir à trouver immédiatement Rick avec son Kog'Maw qui va mourir dès le début du fight. Rookie est sous Zhonya pour l'instant, mais il va se faire avoir dès la sortie. Il tente le move, le kill sur Aki, mais ça ne passera pas. On n'a pas oublié la présence de Kog'Maw et les Oh My God ont trouvé encore une fois une magnifique engage, troisième dragon pour eux et un aller simple vers le baron qui semble sourire. Oh oui, clairement on va y aller sur ce Nashor du côté des OMG. On se fait très plaisir dans cette entrée de semaine 2 de LPL. 3 pour 0, un troisième Drake, on approche de la 24ème minute de jeu et on engage ce Baron Nashor. Il y a de la vision très très bien setup par Cold derrière le pit. Krem également de l'autre côté du pit pour venir zoner un petit peu dans l'information sur Shun qui est complètement vu. Krem qui va gap close déjà avec son item mythique. On force Shun à se replier. Nenny va tenter d'avancer. Lucas est en train d'arriver également, mais regardez, le Baron Nashor est déjà tellement low life. Ce sera récupéré par Nenny. Ce sera récupéré par le Volibear des Invictus Gaming. Le gap close directement. Krem qui va tomber le kill. Et l'interruption sera récupérée par Rookie. Les Invictus Gaming ne sont pas terminés dans cette game. Mais dans quel univers les Invictus Gaming ont encore la chance d'avoir une opportunité de jouer cette partie? Ils ont désormais un Baron Nashor, ils viennent d'ouvrir la mid lane, ils viennent de prendre un shutdown. Les Invictus Gaming ne sont pas morts et vont peut-être pouvoir avoir accès à leur late game tant espéré. La chatte Nascad a explosé dans le chat. Je pense que chez lui, il est terminé, il est en PLS, il n'y croit plus ce qu'il vient de se passer. Et du coup, les Invictus Gaming qui reprennent totalement le tempo de la game avec ce Nashor sur 5 joueurs. On récupère absolument tout ce qu'il y a dans la jungle. Pour l'instant, replay au niveau de ce dragon. On revoit la bonne engage de Cole suivie par New. Et ensuite, on enchaîne instinct meurtrier.
et on récupère un maximum de ressources. Oh là là, la maîtrise absolue de cette Akali, très bien utilisée. Mais et là on se dit, mais l'OMG vont le faire en fait. Mais attends, mais il faut revoir, il l'a volé avec un foudroiement. Le slow-mo s'il vous plaît. Il l'a volé avec un foudroiement. Oh non. Oh. Allez, salut. Il a smite à 933. Il restait 33 HP après son smite. Neni a réussi à le voler. Alors que de base, il l'avait juste positionné pour pouvoir réussir à faire son dash-in et tenter des dingues. Et ça touche le baron Nashor. Ça le vole. Ça leur permet d'avoir désormais un avantage au gold. The Shy qui a peur pour sa place de titulaire, hein, je crois. Mais là, il faut qu'il ait peur pour plus que ça. Oh, hein. Ouais. Il va tout lui voler. Hein. Là, c'est terminé. Neni est la nouvelle star. Hein. Incroyable ce que viennent de nous sortir les Invictus Gaming. Et du coup, hein, buff du Baron Nashor développé sur deux lanes, au mid et au bot. On a Shen qui se balade dans la jungle bot side pour reprendre de la vision. Et pour également être en soutien de Neni qui push au bot contre Krem qui, malgré le fait qu'il ait beaucoup de dégâts, n'en aura pas assez contre Neni qui a récupéré un visage spirituel qui est très tanky avec son pool de HP. Qui a le buff du Baron Nashor et la T de bot qui va tomber. C'est un vol, mais c'est un cambriolage. Ils sont passés par la grande porte, ils sont arrivés dans la banque, ils ont dit on veut tout, oh my god, ils ont fait ok. Ils ont fait ok, passez par là, tranquillement. Tenez les frérots. Mais là, c'est tellement inespéré parce qu'on leur a dit, ils ont une composition late, les Invictus Gaming, Sylas, Kog'Maw, Lulu. C'est particulièrement fort en fin de partie. Et là, ils ont réussi à passer le pire moment de la partie avec le meilleur buff possible. Regardez en haut à droite, 5500 gold sur ce baron de powerplay qui n'aurait jamais dû exister. C'est incroyable. C'est vrai que les 5500 font très très mal au MG là-dessus qui sont à 1000 gold derrière. Mais bon, faudra quand même checker du côté du coaching staff de Oh My God pour voir si Glopo les a pas rejoints. Ah ouais, c'est vrai que la curse a l'air puissante quand même. C'est du Glopo tiers en termes de curse, en termes de retournement de situation. C'est catastrophique pour les Oh My God. C'est massif. Et bon, il faut juste sur cette âme des océans maintenant pour OMG. Mais la curse n'est toujours pas de leur côté parce que les trois dernières games que j'ai commentées où il y avait une âme des océans pour une équipe, l'équipe en question avec l'âme a perdu. Oh là là. Et là, dans tous les cas, mais une âme des océans serait bien, serait agréable, mais ça ne change pas la condition de victoire d'Invictus Gaming du Kog'Maw Lulu qui arrivera toujours à faire énormément en teamfight. L'arc bouclé immortel a été récupéré du côté de ce Kog'Maw justement qui sera bien plus tanky désormais. On a beaucoup plus d'armes que précédemment du côté d'Invictus Gaming pour pouvoir contester la priorité mid lane, contester la priorité dans la rivière, contester la vision. Mais on a quand même Cold qui a trouvé un bon flanc potentiel pour pouvoir surprendre l'Edge. Ouais, il est sous brouilleur donc il sait qu'il n'est pas vu. Et il y a cette ward dans le bush. Au niveau de ce dragon côté IG, il se repositionne dans leur propre jungle. Il y a le bulbe hein, côté Colt donc quoi qu'il arrive, il pourra se repositionner. Shen n'est pas très loin. On le cherche. On a peur. Allez Colt, cours sur ton cheval. Envole-toi. Disparais. Et il va réussir à se repositionner avec son équipe, mais malheureusement le flank n'aura pas pu être mis en place. On est obligé de reculer également du côté de Krem. La vision est désormais côté IG, la position dans la rivière également. Cold a le bubble disponible, a toujours la capacité d'engage. On a un equalizer à faire valoir également. Pour l'instant, Neni est bien placé sur la front lane. On ne poule pas encore le dragon. On a peur du 50-50. On a peur du foudroiement de Neni. Regardez Wink qui contrôle en plus avec son ultimate les bush derrière. On a peur que le flanking soit encore en position. On peut potentiellement lâcher le Drake pour aller prendre la primid. En tout cas, la primid qui va être récupérée par Ebole. On engage côté Invictus Gaming. Attention, le dernier fight au Drake n'était pas du tout en leur faveur. Les OMG qui continue, le Drake qui est récupéré finalement par Shen. Engage, très bon engage du côté de Cold. C'est incroyable, ce fight est clairement à l'avantage des OMG, directement de kill de récupérer Shen et Neni qui ne peuvent que se replier. Rookie sera laissé encore une fois. C'est un 3-0 sur ce Drake en faveur des OMG qui TP au niveau de cette mid lane pour aller récupérer Shen qui n'aura pas d'échappatoire, pris en chasse par Krem qui va se faire plaisir. Allez, chope l'ours, chope-le, mais ça court beaucoup trop vite et il va réussir à s'en sortir. Il y a un autre ours à la mid lane. Tiens, tu peux ça cut la wave. Tu peux attaquer l'autre ours de combat. Mais quel engage de la part de New. C'est fou. Cette ulti 7 sur le Volibear en front lane.
Forcément, ça retourne un fight, mais ça ne suffira donc attention, pas pour Baron Nashor. La partie. Il reste Nenny. Oh, il reste Nashor, il reste Nenny. Bah, il y a le bac là quand même, j'ai l'impression. Il y a une téléportation côté de Nenny, néanmoins, donc on va pouvoir peut-être décider de contester. Ah non, il y aura pas allez, de contestation. Crème T-Zone. Une fois, mais pas deux, côté voilà. IG, on le sait. Et là, c'est pris, Aki aura assuré son smite. Ils auront un Baron Nashor un peu plus tard que prévu. Oh, l'engage de... On va revoir l'engage de New. Avec New. Oh là là, cet engage. Et on met tout immédiatement sur Wink, encore une fois. Malgré la fatigue, on aura suffisamment de dégâts du côté de Abel pour pouvoir prendre le kill avec sa Kai'Sa. Et c'est là qu'on va voir la difficulté à pouvoir assurer le Kog'Maw Lulu. Le set avait été flexé. La Rel a été prise en quatrième pour les Oh My God pour pouvoir justement avoir cette hard engage en continu et avec un ultime à longue distance de Rumble on se met extrêmement bien. Par contre Nenny a des idées, des envies derrière la tête. Crème mal positionné va pouvoir réussir à se repositionner justement avec sa Akali, mais la priorité mid lane a été récupérée par les IG qui restent très haut sur la carte malgré la main du Baron du côté de Oh My God. On a le Nashor, il tape la tour. Ouais, il tape la tour. Actuellement, attention, Equalizer utilisé là-dessus. On va subtiliser l'ultimate de Akali pour Rook qui l'engage hein, sur la backline d'Invictus Gaming dans la sauce. Kog'Maw qui est tombé directement. Lulu qui tombe. Le Easy est obligé de se replier dans la rive. Et regardez, c'est une masterclass d'OMG. Ce teamfight complètement remporté. Rook qui va forcément devoir se re... Oh, bah c'est pris. Voilà, triplé pour la Kai'Sa. Pas de mort côté OMG. On va juste se diriger vers la base des Invictus Gaming, il n'y aura que Shen pour défendre, trop légère comme défense. On est au niveau de l'erreur professionnelle quand même du côté d'IG, contre un Baron Nashor, se permettre d'aller auto-attaque la T3 adverse à la mid lane, quand tu sais qu'ils ont une énorme capacité de flank et un ulti rumble à longue distance, c'est illégal et c'est puni à juste titre du côté des Oh My God, qui se sont fait peur après un Baron Nashor volé par Nenny, mais qui arriveront tout de même à prendre la première game de ce BO3. Bon, j'ai une question pour toi, Zerotic. OMG supérieur à IG ? Non, non, je vois, non, non, non. Est-ce que OMG ne serait pas supérieur à Sunning ? Non, 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 t'as pas le droit de dire ça. T'as pas le droit de m'attaquer directement là-dessus. Attends, tu gagnes le BO au moins. Et à la limite, on pourra en rediscuter. Mais les Oh My God ne sont pas censés pouvoir faire tomber les Mythus Gaming. Mais ouais, il y a un monde où c'est le cas. Hein. Ouais. J'ai peur pour mes Sunning, je le dis en continu, hein, mais j'ai peur pour les Sunning qui malheureusement font un mauvais départ et essaieront de me rassurer petit à petit. Ouais, c'est chaud ce qui se passe pour eux, console-toi bien avec le petit Poro. Mais, il est tout doux. Ah, il est tout doux, ouais, ça reste un Poro. Il manque juste la moustache, mais c'est vrai qu'il est très sympa. Ah, la moustache, c'est que quand il y a Brome qui est pas loin. Et nous n'avons pas de grand musclé torse nu avec une porte qui se balade dans les locaux. Donc voilà, il n'a pas encore la moustache. Non. Enfin bref, OMG qui s'offre 2 balles de match contre Invictus Gaming, c'est pas rien quand même contre cette équipe. Oh, Nenny ouais. Qui reste un joueur à surveiller, clairement. Mais bon, IG n'aura pas réussi à faire comme EDG et à réussir à scale ce Sylas, ce Kog'Lulu. On aura toujours très bien joué les phases de regroupement côté OMG. Mmh. On a les outils pour aller chercher la backlane. On va la chercher derrière Superiority numérique et on enchaîne. Quoi. Ouais, c'était un peu ça l'idée. Meilleur regroupement, meilleur engage, meilleure coordination globale. Et là, du côté des IG, on avait tout de même une composition qui n'a jamais réussi à se mettre en place de part... l'avantage colossal qui a été récupéré à la mid lane. Malheureusement, le last pick Sylas n'a pas trouvé son utilité. Dans les regroupements, il est tombé très tôt. Dans les phases de 1v1, il ne pouvait rien faire. Et Akali diff, encore une fois, on continue de monter son win rate. Avant cette game, elle était au-dessus de 65%. Bah, allez hop, on continue. Faut la ban la Akali de Crème. Il est vraiment très très chaud dessus. On l'avait appelé de nos voeux. Hein. Ah ouais, c'est clair. Et voilà. Le roller coaster du côté du Grave de Gold, le pic rouge que vous voyez vers la 30e minute de jeu, c'est tout simplement quand ils ont récupéré le Baron Nashor avec un foudroiement de Nenny très très bien senti. Crème premier au dégât, rien de surprenant, il a très bien joué son match-up, il était d'ailleurs souvent en infériorité numérique sur la mid lane.
Mais la seule fois où il était en supériorité numérique, c'est avec Cold, et il a directement pris un kill. Lui. Ouais, je pense qu'il aura le MVP, Crème. Il y a un monde où il l'a, parce qu'il a tout de même fait une excellente partie, malgré le fait qu'il soit mort une fois qu'il ait donné un shutdown à Rookie. Il aura tout de même été en avance, top dégâts de son équipe. Donc, il mériterait. Il mériterait, Crème. Et j'espère, pour les IG, qu'on a prévu une réponse à ses potentiels assassins. On l'a vu avant la game. Il a également, apparemment, petit Leblanc, un petit écho dans le fond de sa ouais, poche. Ouais, ça a été marqué sur l'asset de début de partie. Peut-être qu'il a aussi des assassins AD, Z, Talon... Kiana, c'est vrai. Le petit Kiana Rumble, je t'avoue qu'on l'a déjà vu passer. Bon, pas très souvent, mais on l'a vu passer en ERL. C'est plutôt violent. Tu mets tout le monde contre un mur et tu mets le mur en feu, ça peut que bien se passer. Ah ouais. Et Kiana est un perso interdit en solo queue et est un perso complètement cheaté. Jouez pas Kiana, à part si vous voulez monter. Ça c'est, du coup, jouez Kiana. Ça c'est dit, on va pouvoir se laisser sur ces bonnes paroles, hein, je pense, érotiques. On aura le MVP retour de la pause. Du coup, dans quelques minutes pour voir si OMG va 2-0 IG. A tout de suite. Invictus Gaming dos au mur, dominé par les OMG qui s'offrent deux balles de match dans ce premier BO de la journée après une composition engage très bien mise en place par OMG. Ouais, très bon engage, ça a bien été géré, tous les regroupants en teamfight. Et Crème nous a fait une excellente partie avec ouais. Akali qui continue de gagner dans toutes les régions du monde. Donc ça se passe bien pour eux. Désormais, voyons voir ce qu'Invictus Gaming a réservé pour pouvoir remporter la seconde game, normalement en blue side. Ouais. On attendra voir. Est-ce qu'ils vont choisir de prendre le blue side, c'est la question. Normalement, c'est qu'IG, ils aiment bien le red side, mais ils aiment bien le red side quand il y a The Shy, quoi. C'est... The Shy, ouais. Il a vraiment des counters, il va jouer de la range au top, Queen, Kalista, ce genre de champion. Du coup, est-ce que Rookie, lui, peut aller chercher un counter? On a vu, ça n'a pas très bien marché là, avec son Sylas contre Akali, le skill match-up. Était en faveur de Crème qui pour le coup lui a dû bien poncer le match-up je pense. Okay. Et il s'est mis assez bien, je pense qu'il aura le MVP pour être honnête. Ouais, je pense aussi à la limite on pourrait avoir une petite argumentation pour dire que les engages de New étaient excellents et les roams de Cold également, mais c'est Crème qui a fait le plus de dégâts. Vous voyez le pourcentage de dégâts en fonction des golds, 180%, c'est énorme, c'est tout simplement énorme. Une bonne game c'est aux alentours de 130-140 pour donner à peu près une idée. C'est ça, et ce qui me plaît beaucoup, c'est que chaque split dans la LPL, t'as des rookies qui débarquent. Mmh. Et tu te dis, mais ça peut vraiment exploser pour eux. Y avait beau, malheureusement pour lui, ça a explosé un petit peu, c'est vrai, ça, d'une certaine manière. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, il y en a, on pense à Shanks aussi, il y a vraiment beaucoup de joueurs. Neni actuellement, hein, qui mine de rien, fait un très très bon boulot chez IG. Malheureusement, très très bon jungler, hein. Malheureusement, ça marche pas forcément. Quoi ? Très très bon jungler. Neni ? Ouais, ouais. Non, top. Ah si, bah oui, c'est lui qui sécurise les objectifs. Hein. Ah oui. Ah oui, c'est vrai, le foudrement à 33 HP. Qu'on va sûrement revoir, mais non, ça n'était pas un highlight pour Crème, donc on ne reverra pas ce vol de Baron Nashor, même si ça a été l'une des actions au cœur du match. Comme cette ulti de New, qui aura permis une magnifique engage. Allez, Crème toujours là pour les dégâts. Et... on va dire que la grande puissance d'Akali réside toujours dans sa capacité de teamfight, dans sa facilité de teamfight. Et normalement, elle n'est pas censée avoir une lane forte. Là, malheureusement, face à Rookie, elle a également eu une lane forte. Dès les premiers niveaux, on a Crème qui a réussi à prendre le dessus, qui a forcé un back TP beaucoup ouais. trop tôt. Donc, il a eu vraiment l'ascendant pendant toute la partie. Et je ne pense pas que Rookie va choisir de rejouer ce match-up. Ce serait étonnant. Après, est-ce qu'il a envie de montrer que c'était qu'une erreur, un petit passage à blanc? C'est des choses qui peuvent arriver aussi. Mais c'est vrai que dans skill match-up, là en plus avec la confiance du côté de Crème, ce serait vraiment plus compliqué à gérer. Moi, je vois bien un ban de Akali, pour être honnête. D'accord. Et pour voir un petit peu aussi ce qu'il y a d'autre du côté du champion de pool de Crème. On l'a dit, Kiana, Leblanc, Echo, c'est des champions qui peuvent aussi sortir de son côté. Après, bon, quand t'es un midlaner en LPL, tu dois aussi savoir jouer les match control un peu plus traditionnels. Je pense à Orianna, je pense à Victor. Ouais. Tu devrais aussi être maîtrisé par le joueur. Orianna est particulièrement difficile à jouer actuellement. Beaucoup de dash de tous les côtés. Ouais. Quand tu as Gwen, Viego, Akali qui peuvent jouer, qui peuvent te déranger en permanence, là Orianna baisse en priorité. On va dire que le contrôle mage qui reste jouable reste Victor, à mon grand plaisir, ouais. bien évidemment. Mais partir sur des Karma, des Lulu ou des picks beaucoup plus contrôle, Galio, Lissandra, pourraient refaire leur retour. Le Galio qui était ban à la game précédente. Donc si Akali est toujours ouverte, on espère avoir un Galio pour Rookie, ce
qui est assez étrange à dire, mais ce qui passerait beaucoup mieux pour lui et pour son équipe. Ouais, clairement, ça pourrait être une solution hein, du côté de Millainer d'Invictus Gaming. Au top, on l'a vu, on avait de la prio de la wave du côté de New, mais Nenny a toujours très très bien contesté les trades hein, avec son volley contre le 7. Après, voilà, c'est plus facile de s'exprimer aussi en fight pour un 7 qui a des points d'appui pour caler son clou du spectacle. Derrière le casse-tête, on l'a vu, il a fait des très très bonnes engages. Mm-hmm. C'est un pick qui dévoile pas trop finalement en termes de draft. On l'avait beaucoup vu hein, en 2020, ce pick qui était jouable à 4 rôles, okay. Que tu ne peux actuellement pas jouer en jungle, mais tu peux toujours le jouer en solo lane, en support aussi dans certains cas. Si vraiment il y a des gros supports tanky, je pense à Nautilus, Leona, ce genre de pick au bot, c'est des choses qui peuvent ressortir. Mais bon, la méta enchanteur au bot avec particulièrement Karma Lulu commence à revenir, le buff du Shurelia qui a vraiment remis ses pics au devant de la scène. Buff du Shurelia et le retour de Varus Azreal également en main AD carry. On joue beaucoup plus sur la pression de lane désormais. On a envie d'avoir ces casters AD qui réussissent à avoir beaucoup plus de contrôle de lane. Mais au final, quand tu parles du 7 et quand on voit le début de draft du côté d'IG, on se dit, le 7 était complètement normal. Bah quand ouais. Tu révèles directement un Kog'Maw Lulu, l'une des meilleures manières de l'affronter, c'est d'aller le chercher le plus rapidement possible. Ce n'est bien évidemment pas la seule manière, mais c'est la manière la plus traditionnelle. Et le fait de révéler ses cartes dès le début, les amis, plutôt mal. Donc on sait que la Lulu reste flexible sur plusieurs rôles, même si tu as un Kog'Maw, mais ça paraissait plutôt évident. Ouais, c'était Rumble en first pick pour MG, d'ailleurs c'était 7 Kaisa. Ouais, donc et ensuite c'était Rel Akali. Rel Akali, ouais. Exactement. C'est dans le sens là, du côté des Oh My God, qui vont normalement partir en red side, vu que les Invictus Gaming ont le choix. Ouais. Et effectivement, bon, dans les premiers bans, on dit au revoir aux Nocturnes et aux 7, pendant que les Oh My God s'affairent autour des junglers AP. Ah, il reste Renekton, il reste Lee Sin, bien sûr Varus, Ezreal, même si Ezreal ne sera pas ban, ça reste un des picks. Eh bien, quand même, avec assez de priorité et qui est souvent disponible. La Karma qui va être retirée. Du coup, il y a toujours la Akali. Et on l'avait mentionné un petit peu, elle pourrait être sécurisée en R3 pour offrir deux ban mid ensuite. Eh bien, à Crème, le first pick, par contre, sera un Renekton. Et est-ce que tu as réellement envie de jouer Akali quand un Renekton peut être joué au mid? Pas sûr. C'est pas sûr, mais oh. Alors là, ce serait une ouverture de draft qui nous rappellerait des heures sombres de 2020. Où le Horn était pris à toutes les sauces sur la top lane. Ce sera plutôt un Udyr. Pour l'instant, on reste en 2021. On reste en saison 11, où le champion le plus mécanique est Udyr. Vraiment hâte qu'il y ait un buff qu'on ne voit pas venir qui propulse Garen sur le devant de la scène. Le Garen Yumi, t'inquiète pas, on l'a kiffé l'année dernière. Je me souviens bien. C'est quand c'est sorti la première fois, on est tous en mode mais il troll. Mais non, mais c'est pas possible. Et quand ils l'ont sorti la 14e fois, on était en mode mais arrêtez, stop. Tenez un vrai AD carry à Reckless s'il vous plaît. Enfin bref, Udyr, Thresh, on a de la tankiness, on a de la mobilité pour l'instant côté OMG. Et on voit passer plusieurs junglers là. Il y a côté. Eu un Chaco. Ouais, moi à chaque fois mon cœur s'emballe quand je le vois. La Diana qui avait été montrée, qui sera sécurisée pour jouer. Donc on a un duo Renekton Diana qui peut être très très explosif. Assez explosif en team fight, ça permet d'aller chercher la backlane très efficacement. Et j'aime bien ce Varus également. Là, on ne révèle pas tout d'un coup. On donne juste des armes pour avoir des lanes fortes. Et on va pouvoir normalement l'utiliser. Du côté de Oh My God, on hésite entre certains picks, mais ce serait bien de valider un AD carry pour accompagner le Thresh dès le début de la partie. Ce sera le Aphelios qui a reçu un petit buff sur le patch 11.12, donc pas encore sur celui que vous voyez actuellement, mais que nous reverrons peut-être un peu plus, même si une Jinx me paraît toujours beaucoup plus efficace qu'un Aphelios actuellement. Ouais, je suis assez d'accord avec la Jinx meilleure que Aphelios. Après là c'est contre un Varus, donc ça se tient. Le fait que ce genre de champion revienne aussi, c'est parce qu'il y a beaucoup de bans finalement qui sont un peu obvious en ce moment dans les 3 pre-bans de chaque équipe, ce qui laisse plus souvent le Thresh free qu'au MSI par exemple, où pour le coup il était vraiment quasiment tout le temps ban. Ok oui. Du coup le Thresh est plus accessible, donc t'as aussi plus envie de jouer des hyper carry au rôle d'AD carry. Lucian, Nautilus de ban, côté MG, la Kali respectée, le Horn qu'on avait vu passer le un petit Horn. Peu plus tôt qui sera respecté aussi. Le ban Horn qui vient d'être fait du côté ça des Ça fait longtemps le ban Horn qu'on l'avait pas vu. Tellement, mais en soi,
Dans le début de la composition des Oh My God, un horn ne serait pas mauvais, hein, de langage supplémentaire à longue distance. On ne dit pas non, mais on partira sur une option bien différente. Apparemment, le Jace a été montré, mais un Volibear serait beaucoup plus stable face au potentiel Renekton, qui garde sa flexibilité, mais qui va devoir être révélé au grand jour dans les deux prochains picks d'Invictus Gaming. Alors, Wing, t'as pas le droit de jouer avec nos sentiments comme ça. Parce que si Rook... Let's go. On va avoir un Rise pour Rookie qui s'est fait dominer sur la game précédente et qui a envie de se faire respecter désormais. C'est très fort contre les match-ups mêlés. C'est très fort contre un Sylas qui est désormais presque impossible à prendre du côté d'Oh My God. Et du coup, on va prendre un match-up range. Est-ce qu'il va oser la Leblanc? Ah oui. Oh non, faut pas prendre ça. Non, pas ça. Non. Non, t'as pas le droit de jouer si tu prends Sylas. Ah, ça va être très très dur la phase de lane pour Crème. Ça va être très très dur avec ce Sylas. Les ultimes sont sympas, hein, on va pas dire le contraire. Éruption solaire qui fait des dégâts pour le coup sur un Sylas. On a la chaîne corruptrice, le portail pour avoir un peu plus de mobilité en équipe. Le Dominus permet d'être tanky un petit peu quand même en termes et bien de teamfight, un peu à la manière d'une volonté de faire, sauf que celle-ci fait des dégâts de zone autour. L'ultimate de Shen sera peut-être un peu plus dur à venir chercher, mais je suis d'accord, là, Leblanc était sympa parce que en fait, le scaling, tu l'as déjà avec cette grosse front lane, ce Aphelios Thresh. Aller chercher le Sylas, c'était pas forcément obligatoire. Surtout, en vrai, le gros problème principal de ce Sylas Last Pick, c'est que ça va permettre à Rookie normalement de dominer toute la carte. Le gros problème dans le match-up, c'est que celui qui fait la wave, il fait ce qu'il veut avec la wave, le Ryze. Ce qui veut dire que Rookie va pouvoir se rendre sur les sides. Quand t'as du setup au bot avec Varus, Leona, quand t'as du setup au top avec un Renekton, Rookie va pouvoir se déplacer sur toute la carte et tout simplement exploser les sides pendant que le Sylas, il sera là en train de pleurer sous sa tour à se dire bah, « de toute façon, je ne peux rien faire ». Donc, Crème s'est mis vraiment dans une situation difficile où il va devoir nous prouver vraiment qu'il est suffisamment fort sur Sylas pour réussir à un peu inverser le match-up. Ouais, je suis assez dubitatif. Peut-être qu'ils se disent que puisque le Ryze sera avancé, le Udyr n'aura pas trop de mal à venir le gank et que derrière on peut snowball là-dessus. Sylas, ça reste quand même un champion qui snowball bien, mais je suis d'accord, hein, c'est pas avantage à Crème, hein, au niveau de cette mid lane. Aki va devoir être présent. On a un duo double AP mid jungle, hein, mine de rien, côté Shen et Rookie. Des deux côtés. Hein. Oui, c'est vrai que Udyr joue Phoenix, donc il y a aussi beaucoup d'AP. Et pour Rookie, les sandales de Mercure sont bonnes aussi, vu que s'il se dirige vers le top side, on a également beaucoup de dégâts magiques sur le Volibear. Barrière verdoyante, ça peut être une option aussi pour se défendre un petit peu de tout ça. Je suis d'accord. Et pour Crème, il devra partir le plus rapidement possible sur les sandales de Mercure, vu qu'il y a une Leona également en face. Ouais. C'est un must-buy. Ce qui veut dire qu'il temporisera un peu longtemps avant son chapitre perdu. De toute façon, normalement, il est venu pour souffrir. Oh oui, là. Les Jayo, hein, vous les avez entendus du côté du public. Toujours sympa, cette petite coutume qu'on a du côté de la LPL. Et contrôle de cette première ward. D'ailleurs, il avait probablement scout, hein, au niveau de la première game. Il y avait également eu ces deux premières wards dans ce bush. Bon, en termes de range, on a quand même un avantage côté OMG avec un Thresh par rapport à une Leona, counter match-up en faveur de OMG. On a de la range également avec le Calibrum côté de Aphelios sur les premières waves. Le Varus a 575 de range de base, là où on aura 650 pour l'instant du côté de Abel. Donc normalement, on devrait avoir le contrôle sur les premières waves bot côté OMG. Et on a le contrôle déjà dès le niveau 1 du côté de Rookie. Oh là 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 là, ça va être douloureux de voir le début de la partie de Crème. Hein. Préparez-vous à ce que ça soit très difficile. Sur le top side, le Volibear Renekton match-up qu'on a déjà vu très souvent. Les deux arrivent à suffisamment régénérer et tanker les agressions adverses pour faire que ce match-up soit des match-ups les plus neutres du top side. Ça commence. Donc déjà, le choix de Rookie, c'est un crash wave 2 qui lui permet d'avoir de la vision et de traquer le jungler adverse tout en mettant la pression. Et en choisissant de ne pas push la wave 3, il va l'accepter vers lui pendant un petit moment, tout en zonant Crème en continu. Crème se fait zoner par la range de Rookie, ça va être très dur pour lui de récupérer du farm, déjà 3 fois plus de farm du côté de Rookie sur ses premières waves.
Il va falloir catch up un maximum, enfin catch XP un maximum pour Crème sans trop s'exposer. 17 à 5. Ouais, il a toujours. À 6. Ouh. Ouh là là, Crème. Crème qui se met très très bien. Let's go. Petit check de la part de Nenny, on avait l'information que le Udyr était au niveau du topside, donc il avait peut-être peur d'un dive au niveau de ce crash de wave qui aurait tout de même été un peu compliqué, mais il était low life donc il a pris quelques précautions. Pendant que Crème continue de se faire totalement push, on a mangé bu toutes ses potions du côté du rise de Rookie, mais il lui reste encore des cookies pour continuer de mettre ce rythme endiablé. Carapater topside pour Aki. Nenny qui, normal hein, dans le match-up, se fait prendre la prio sur les premières waves avec le foudroiement, c'est beaucoup trop facile. 26 beers et ça augmente du côté de Rookie. On a Aki qui n'est pas très lent de Crème, qui a déjà utilisé sa téléportation et qui, encore une fois, une wave qui arrive sous sa tourelle. Il va falloir la tanker, celle-ci, pour essayer de faire freeze, faire perdre un petit peu de farm pendant qu'on revoit le replay au bot, une peine capitale qui a été passée, ce qui explique l'utilisation de la purge pour Wink. Effectivement. Abel et Cole qui sont toujours en bonne position, donc petite tentative d'engage, le flay est propre, retour sur les dégâts est excellent, la peine capitale est encore meilleure, on a forcé la purge du côté d'Abel, on dash in juste après, flash in de la part de Abel qui prend le premier sang, mais ça va être un trade kill, Wink contre Cold, le Thresh full life qui va chasser l'âme de ce Varus, et il va réussir à s'en sortir, le side step est bon au final de la part de Wink. Il aura eu un tout petit peu peur, mais il s'en sortira. Retour à la mid lane, où Rookie continue d'asseoir sa domination sur le visage de Crème. Ouais, bon ça c'est... On va y avoir le droit à un bon moment dans cette partie. Revenons un peu sur ce qui s'est passé au bot. Il reste le flash sur Cold et il reste le flash sur Wing. Donc plus qu'un summoner pour chaque bot lane. Et Abel qui revient sur la lane. On n'aura pas réussi à crash ça du côté de Wink. On a, ça y est, les bots légendaires de Berserker pour Abel qui aura un peu plus de facilité dans les trades. On ira mettre beaucoup plus de dégâts également avec la tempo mortelle. Là, Crème, il espère juste avoir des bons regroupements. Parce que tu choisis pas Sylas sans la speak contre un Ryze pour te faire détruire comme ça. Oh, attention, on a eu un flash-in, on a plus de summoner du côté de cette Leona. Mais on a un aftershock, on a un midlaner. Enfin, les gars, calmez-vous, hein. C'est pas le moment. Parce que eux ils ont pas de midlaner, regardez le pauvre. Ah ouais. Oh Rookie, oh le cancel. Oh là là. Oh, celui-là il fait très mal. Hein. Ok oui, parce que c'est une wave canon. Ouais. C'est une wave canon, ça veut dire que normalement la wave aurait pris beaucoup de temps à crash au niveau de la tour. Elle aurait permis à Crème d'avoir un back un peu plus agréable que s'il l'avait choisi pour les waves suivantes. Ce qui veut dire que Rookie désormais va pouvoir avoir une petite plaque. Tout en gardant la pression sur Crème. Rookie, c'est monstrueux ce qu'il fait comme boulot. Parce que regardez la vision qu'on a côté Invictus Gaming au mid. On a une ward au niveau des Raptors. On a deux pink wards sur les sides de ce Ryze. On veut vraiment qu'il assoie sa domination au mid et son push. Pendant que Aki arrive au niveau de cette top lane. Nenny, pardon, qui est complètement dans la sauce là-dessus. Le Stormbringer, la tour, n'inflige plus de dégâts. Et le kill sera sécurisé par New qui assoie sa domination au top. Oh, Rookie qui a réussi à faire un décalage sur le bot side. C'est toute la volonté de ce match-up à la mid lane. Le dive est propre. On fait crash une wave également à la bot lane. On va prendre des plaques pour Wink et un bout de plaque pour Rookie, qui je pense est très très content de l'avoir eu gratuitement sur le voyage du retour. Donc pour l'instant, ça se passe comme ça doit se passer pour l'Invictus Gaming sur le bot side de la carte. Malheureusement au top, Nenny n'avait pas encore son niveau 6, il devait lui rester genre quelques creeps pour pouvoir l'obtenir. Ouais, c'était un problème dans le trade pour le jeune top laner Invictus Gaming. Et du coup le back synchro hein, pour le duo top jungle des OMG pendant que le Drake a été sécurisé une minute à peu près avant l'apparition de ce héros de la faille. Et on revoit ce portail transdimensionnel pour Rookie. Ça permet de récupérer un assist, un kill pour son jungler et derrière bon on enchaîne hein, Lucas assez tanky pour aller récupérer ce kill. Et c'est bien que Chun commence à récupérer des kills. Il est passé désormais niveau 6, donc la Diana va commencer à pouvoir avoir un réel impact dans la partie pour pouvoir trouver des engages. Et si cette Diana commence à mettre des dégâts très tôt dans la partie, ça va faire mal à toute la composition des Oh My God pour les regroupements. D'ailleurs, nous devrons avoir un prochain regroupement autour du héros de la faille qui arrive d'ici une trentaine de secondes. Ouais, ça ping hein, côté Invictus Gaming sur ce héros de la faille. On récupère une wave du côté de Crème. 57 sbires. Les décals de Rookie jouent bien sûr hein, dans les quarts de farm. Mais bon, récupérer un kill pour
Sean, ça vaut bien plus cher que ça. La Diana, si elle a assez de dégâts, elle pourra absolument engage dans énormément de situations. Par contre, attention, Udyr Voli en face, Thresh, on a de quoi zoner, que ce soit la Diana, la Leona, on peut les tenir normalement à distance pour laisser de l'espace à Ebol dans les teamfights. On est un peu tôt dans la game pour vraiment voir les dégâts de ce Aphelios. Le Sylas, pareil, qui va être un petit peu dominé, mais bon, si on arrive à récupérer un bon ultime, celui de Wink, on aura assez de contrôle du côté de Krem pour eh bien, faire la différence dans les fights. J'aime beaucoup la game de Rookie hein, pour l'instant. Je pense que tout le monde est d'accord pour dire qu'il en fait une bonne, mais j'aime également son choix de stuff. Partir sur les chaussures du sorcier le plus rapidement possible lui permet d'avoir en plus de ça une rapidité à aller sur les sides. Donc il va réussir à push très facilement de par la puissance de son perso, puis arriver le plus rapidement possible sur le reste de la carte. Ça permet à son équipe d'assurer le héros de la faille et ça va permettre normalement à sa botlane de pouvoir jouer un peu plus haut parce qu'il peut interagir avec eux très vite. Sa téléportation ainsi que son portail transdimensionnel arrive très vite. Rookie qui vient de zoner Haki qui voulait passer dans la jungle botside et aider Invictus Gaming pour prendre de l'information. D'ailleurs, Sean est en train de terminer le botside ou en tout cas de l'entamer. Oui, il est botside pour l'instant, le jungler Invictus Gaming. On a repris la prio bot côté Wink et Lucas. On va pouvoir s'en servir normalement. Priorité mid et bot, pas de Drake, mais bon, le héros de la faille. Et toujours dans les poches de Sean. On a apparemment la volonté de le jouer plutôt sur ce botside. Côté de Crème, on n'a pas encore fait le choix de prendre les sandales de Mercure. Donc il va continuer de prendre pas mal de dégâts. Mais il a fait le choix d'avoir un tout petit peu de dégâts avec ce chapitre perdu. Il va donc pouvoir peut-être faire quelque chose s'il touche une chaîne. Mais Rookie aura normalement toujours un bon spacing et ne se fera pas avoir. Il voit qu'il n'a rien à faire sur les sides pour l'instant. Il va pouvoir mettre quelques auto-attaques supplémentaires sur cette tour. On n'est pas loin d'une seconde plaque en 1v1 pur, sachant qu'il leur reste un héros de la faille en poche. Il va faire mal, hein, ce Herald. On est bad side, on n'est pas vu, même si on a l'information à côté OMG. Je pense sur Sean et sur Lucas. La roaming squad qui se met en place. On est bot hein, côté Sean. Et Wink qui continue de mettre énormément de pression. On récupère les sbires et le lâcher de Gérald, le Herald. On va pouvoir récupérer la première tourelle avec ce push. Et encore une fois, une wave deny. On est à 15 sbires d'écart au niveau de la bot lane. Et surtout, une tourelle à 10 minutes 30 de jeu. Avec toutes les plaques, ça propulse les Invictus Gaming très loin devant. Ouais, à la mid lane, on n'arrive pas à faire de place proactive pour l'instant. Attention, c'est un flashing qui a été utilisé. On essaie de tout mettre. Oh, le call qui arrive à prévoir le flash de Rookie. Et Krem aura eu de la patience pour pouvoir enfin rentrer dans la partie. Le premier kill de ce Sylas. Et là, dans le chat, il écrit bien joué, Thresh, bien joué, Udyr. Merci à vous deux. Ouais, clairement, et c'est normal. Hein. Dans le match-up, il lui faut absolument de l'aide. On va revoir un petit peu hein, ce qui s'est passé. Flash in de Haki en posture de l'ours, on n'hésite pas. Elle est partie avant, avant le flash. Un petit peu plus tôt, ouais. Un petit peu plus tôt, effectivement. Très bien, ce qui nous fait cold. D'ailleurs, dans ce BO, cold vraiment très chaud. Je serais pas surpris si OMG Gang de le voir prendre un petit MVP. Attention par contre, la Stormbringer, bah, ça permettra à résister du côté de New. Le turn, pas mal. Flash out du côté de New. On est en 3v2 maintenant. Téléportation également de Crème au niveau de cette top lane. Il sera un peu loin pour interférer sur le duo Invictus Gaming qui, mine de rien, s'en tire plutôt pas mal. Et encore une fois, call de diff. La lanterne est bonne. L'ulti permet de temporiser. Le flay également. Il y avait tout dans ce move. Attention, on va utiliser le Gravitom. Est-ce qu'on a le mana suffisant? Oui, mais on va tout de même prendre les dégâts. Les deux sont route face à face. Mais Rookie a suffisamment de dégâts. Et Lucas va faire tomber l'éruption solaire. Wink. Merci Wink. Avec cette flèche. Par contre, ça veut dire qu'il n'y a plus personne à la mid lane et qu'on a un Sylas qui est en free farm pour la première fois depuis le début de la partie. Ouais, il est souvent free farm maintenant. Et il est même passé devant en farm par rapport à Rookie. Et on commence à avoir des items intéressants sur Krem, un peu plus d'ability ace, de points de vie également pour résister un petit peu à tous les dégâts avant de rentrer dans la mêlée. Par contre, second dragon engagé côté Invictus Gaming, on va récupérer ce carapateur. On est complètement zoné, Rookie est dans ce bush. Un petit peu plus loin, Lucas n'est pas très loin, on a une éruption solaire de disponible. Et ça fera un deuxième dragon de sécuriser. On va évoluer Zerotic sur une faille des océans. Ouais, faire attention du côté de Krem. Il va pas mal s'avancer. On a Sean et Lucas qui ne sont pas très loin. On va avoir de l'information du côté des Oh My God grâce à cette ping ward
judicieusement posé, mais ce Gromp est au champion du monde 2018, même s'il ne reste que rookie dans la line-up actuelle. Ce titre ne s'envole pas. C'est vrai que c'est le dernier. Ouais, y a... Quand The Shy n'est pas là. The Shy, il y avait Ning avant aussi. Ouais, il y avait Ning et la botlane. La botlane, elle est connue. Bon. Qui Jackie Love. Ah, mais oui, c'était Jackie Love, bien sûr. Jackie Love et Baolan, les deux. C'est vrai. Les deux représentants. Et en sub, le seul joueur à avoir réussi à obtenir deux titres de champion du monde dans deux équipes différentes, c'était Duke. Qu'il avait obtenu précédemment du côté de SKT T1 et qu'il avait obtenu ensuite du côté d'Invictus Gaming en 2018. Petit voyage dans le temps, c'est vrai. Très très juste. On n'oublie pas d'où on vient. Totalement. Et Shen qui va récupérer ce double camp. Le Blue Buff, bien sûr, le Gromp dans la foulée, héros de la faille dans moins d'une minute. Le premier avait été très bien utilisé sur la bot lane. 1600 gold d'avance pour IG dans cette game numéro 2. On a l'avantage de range clairement avec ce Varus, avec ce Ryze, avec l'engage très lointaine hein, possiblement de l'éruption solaire de Lucas. Normalement on aura la proactivité sur les moves et sur les enquêtes. Oh, attention, si on passe de ce côté là, on a Diana et Leona qui sont prêts à engager. Oh, la lame du zénith ne touche pas alors que la chaîne de corruption était bonne. On a été un peu impatient du côté de Lucas. Continue de poke hein, pour Wink. C'est dommage comme catch, c'est extrêmement dommage comme timing. Parce que les plaques sont tombées désormais, donc le moindre des catchs aurait permis de débloquer cette tour à la mid lane. Et quand on a envie de jouer sur les sides, vu qu'on a un Ryze, qu'on a un Renekton, on veut jouer le 1-3-1 le plus rapidement possible. Et débloquer la tour à la mid lane permet de jouer beaucoup plus facilement, vu qu'on va pouvoir mettre de la vision un peu plus loin et s'assurer plus facilement au push à la mid lane. Donc cette tour est très très importante au mid. Ouais, ils veulent la garder longtemps d'ailleurs, hein, les OMG. Attention par contre, là, le catch, Pain Cap, c'est bien, mais regardez, ça, c'est le go-in. Le go-in et le doublé instantanément de Shen qui fait des ravages dans la jungle topside des OMG. On va pouvoir peut-être réussir à gap close sur Krem. Non, c'est bon, il trouvera une escape, mais les 3 kills ont été faits quasiment instantanément par Shen. Voilà, parfait, cette Diana, parfait. Ça se voit qu'ils s'entendent bien, Diana et Leona. Ils sont toujours l'un à côté de l'autre et le combo est dévastateur. La lune et le soleil, les deux amis, entre guillemets. Jadis. Jadis, c'est un peu plus qu'amis désormais. C'est canon désormais dans le lore. On a une petite émote actuellement entre Diana et Leona. Il nous met extrêmement bien. En tout cas, la Diana là, a trouvé très bon dégât. Deux kills instantanés, un héros de la faille, plus deux tours à la top lane et à la mid lane. Excellent plays de Xun que nous allons revoir immédiatement. Proto Belt et la mort vient du ciel. Ah, le flash de Wink, de Abel aurait été insuffisant pour sortir de la range de Xun. Et on s'est fait bien avoir. Du coup, un snowball propre pour l'instant, 4000 gold d'avance. De Drake à 0, on a bien également récupéré ce héros de la faille, donc on a de quoi accélérer encore pour Shen qui est en 3-0-1. La botlane également des IG est très très bien, par contre Nenny, attention à ne pas trop avancer. Nenny, bah là il s'est un peu trop avancé, premier dash, et apparemment il n'a pas le second. Bon, dans tous les cas il était condamné, voilà, ça nous termine de lui, 0-2 pour Nenny. Bon, il en manque encore 3 pour être au niveau de son remplaçant. Ouais, tout le monde peut pas... tenter d'être The Shy. Hein. Mais bon, on essaye du côté de Nenny avec ce 0-2. Un jour, petit Nenny deviendra grand et deviendra The Shy. Et héros de la faille au mid pour Invictus Gaming. On essaie de repousser Ebel un maximum. On essaie de le repousser, quoique on va l'engage. On va l'engage encore une fois. Il s'est fait fubax par Shen sur cet engage. Et on snowball une deuxième charge au mid de la T3 qui va tomber. Les OMG et Zerotic sont impuissants sur cette phase de jeu. Oh mon dieu, Xun n'a
enfin, il a détruit, il l'a totalement détruit. Et on est dans la base adverse, on a envie de terminer la game. Nous sommes à 17 minutes de jeu et Invictus Gaming ne sont absolument pas en train de reculer. La T4 est déjà mid-life. On continue à mettre des dégâts. Avec Diana, ça va très vite. On engage du côté de New. Heureusement qu'il a une lanterne pour réussir à s'en sortir. L'objectif principal était sûrement de faire tomber cette wave. Et avec un portal transdimensionnel, les Invictus Gaming vont pouvoir s'en tirer sans aucun risque. C'est une T4 en moins sur ce push mid. Waouh, ils se sont réveillés les IG sur cette game. Tu vois, j'ai bien fait de Lakers en parlant un petit peu de Sunning et tout. Comme ça, voilà, ils se sont réveillés. Ah, ils sont très très bien réveillés. Troisième dragon à la 18e minute de jeu. C'est excellent. Bon, avant que la partie se termine, je tiens à dire tout de même, ça fait deux games d'affilée où le last pick est un Sylas qui va dans un match-up compliqué, là un gros counter match-up, et dans lequel il ne peut donc absolument pas s'exprimer et que le reste de la partie se termine bien trop vite à cause de l'absence de match-up mid-lane jouable. Quel bonheur quand même de jouer à Dekarry dans ces conditions. Ah là, là les conditions sont toutes réunies. Tu es en retard d'XP, en retard de stuff, tu sais que tu as une capacité de one-shot en face et tu as envie de défendre un héros de la faille qui te fonce dessus. Ouais. Il y avait tout dans ce place pour Abel. Je pense que le héros de la faille, sa charge n'était pas si catastrophique que ça, mais la charge de Shen par contre, il a bien senti passer récupération du red buff. Côté de Shen là d'ailleurs, Cole qui essaie de contrôler un petit peu. Voilà, petite ward positionnée un petit peu plus loin, mais... Ils savent, ils sachent. Ouais. Oh, Lucas est au courant également désormais. Ah, la roaming squad hein. La lune et le soleil, tu en parlais un petit peu plus tôt. Bam, 380. Ça fait mal sur Cold. Un petit peu démuni là-dessus. Et l'OMG qui se regroupe sur cette top lane pour tenter de défendre. Les Megazords vont commencer à arriver mid. Il faudra également défendre ça. Plus de T2 top. Il restera une seule tourelle extérieure, la T2 bot côté OMG. Mais pareil, ce sera très très dur de la défendre quand IG aura décidé d'aller au bot. Je me demande même s'ils ont envie d'aller au bot parce que, bonne nouvelle pour eux, Ryze et Diana sont deux champions qui s'occupent très très bien du Baron Nashor. Ouais. Donc même si on a un Varus létalité, le Baron Nashor tombera tout de même très vite du côté des Invictus Gaming qui continue de jouer full topside. La vision est totalement assurée, les waves sont push très loin. Donc il y a un monde où ils pourront le récupérer très facilement dès son arrivée sur la faille. Allez, il faut défendre cette wave côté OMG, 20 minutes de jeu, le Baron Nashor qui fait son apparition dans la faille, New qui a pris un combo de rookie et qui est obligé de back, midlife là-dessus, pareil pour Krem qui va quand même aller défendre un peu cette Allez, midlane. Portail transdimensionnel qui a été utilisé, on va foncer au Baron Nashor, je viens de le dire, ils ont une bonne composition pour le faire grâce à Diana et Ryze qui le DPS. Par contre, Aki court à grande vitesse, il a un flash disponible et il va l'utiliser. Oh no. Bien évidemment, il fallait le tenter. On respecte Aki pour son essai, mais malheureusement, le smite a été assuré du côté de Xun. Ouais, et bah on a chance sur 5 joueurs pour Invictus Gaming. Ils seront toujours sous Nashor d'ailleurs à l'arrivée de ce quatrième dragon élémentaire. De leur côté, potentiellement une âme des océans après avoir profité du Baron Nashor. Ça va être très compliqué. Côté OMG, ils ont un bon scaling bien sûr. Ils ont Sylas, ils ont un Aphelios cover par un Thresh, mais un peu à l'image de la game précédente d'Invictus Gaming. Ils avaient le late aussi avec Kog'Maw, Sylas. Le problème c'est qu'ils n'arriveront je pense jamais okay, non. à ce scaling. Là, on part sur une game terminée aux alentours de la 25e minute de jeu. On va se placer mid-bot tranquillement. On va reprendre la vision comme on l'a fait sur le top side. On va faire tomber la T2 le plus rapidement possible. On va prendre l'un des océans. Puis on va regarder les Oh My God droit dans les yeux et leur dire « Voyez ce fight ? Bah, il est à nous en 5 pour 0. » Mais comme c'est IG, ils vont peut-être aller dive sous la T3 bot. Ouais, ça reste Invictus Gaming. Après, actuellement, ils peuvent tellement faire. Bref, on a un flash sur Shen. Là, Protobelt, Dashin. Un flash pour pouvoir repositionner l'ultime. Ça peut aller si vite. Et on est obligé de reculer très loin. Plus de gardien pour Cold désormais. Donc on est vulnérable. Oh, s'ils se placent tous du même côté. On le voit tous, regardez la l'ulti Diana. On le voit tous, l'ulti Diana possible. Pour l'instant, c'est un ulti Aphelios. L'appel de la lune a été appelé du côté des Oh My God. Mais attention, la lune est du côté des Invictus Gaming pour l'instant. La T3 va tomber.
Ah, il veut y aller, il veut y aller. Chanil y va d'ailleurs pour l'instant. Bah. Et l'ultimate qui va partir. Deux kills directement sécurisés. C'est un double, double kill en faveur de Wink et de Chanil. Il ne restera plus que Crème. Là-dessus, on va pouvoir récupérer l'inhibiteur au niveau de la mid lane. Ah non, c'était la tourelle, pardon. Il y a encore deux joueurs vivants côté OMG. Ils peuvent pas taper la tour parce que l'inhib a repop. Mais ça en est terminé. Pas besoin d'une âme des océans. Les Invictus Gaming ont réussi à avoir une bonne partie en partant de leur énorme priorité à la mid lane pour pouvoir terminer en 22 minutes de jeu. Double mid diff dans ce BO. Un partout. Un partout. Effectivement, et les OMG, la draft est contestable, hein, encore une fois. Par rapport à ce qu'on avait vu dans la game précédente où YG avait Last Pick Silas. Ce Last Pick Silas côté OMG... pareil, est un petit peu particulier. On aurait pu penser, hein, Zerotic à 7 Leblanc, on l'avait vu d'ailleurs passer rapidement. Ouais. Mais finalement, ça n'aura pas permis de résister. Hein. Le scaling était bon, mais le problème, c'est d'arriver au scaling, hein, du côté de ces OMG qui, sont à un partout dans ce BO. Effectivement, un partout. Ça te va bien le crâne rasé, Aurélius? Pas mal, hein? Ah, c'est pas mal. Et je savais pas que t'étais ventriloque. Ouais, c'est un talent insoupçonné. Ce sont bien évidemment nos collègues anglais, Munch à gauche et Lyric à droite, si je ne me trompe pas. C'est ça, pas. Exactement, ouais. Donc nos collègues anglais qui commentent également cette partie, qui ont dû être satisfaits de la partie de Rookie également. Mais voilà, j'ai déjà tapé une petite fois sur le Last Pick Silas, je vais le refaire. C'était criminel. On aurait dû partir donc sur la Leblanc, on aurait dû partir peut-être sur autre chose pour pouvoir au moins affronter le Rise de Rookie. Mais voilà, c'était pas le moment, ce n'était pas le moment. Du côté de la régie, tiens, s'excuser bien évidemment pour la transition, pour savoir, on n'avait pas prévu que ça termine aussi vite et elle est en train... Tiens, partout, ouais. Elle était partie... mettre notre nourriture à chauffer puisque nous n'aurons pas beaucoup de temps pour manger entre les deux parties. Exactement. Donc elle l'a fait pour nous et on la remercie. Qu'il y ait un véritable amour aujourd'hui en LPL, en réel avec nous. Et on a les stats de la game, on ne sera même pas allé jusqu'à cette âme des océans côté Invictus Gaming. Bon, Crème, 5000 de dégâts, c'est bien, hein? Ouais, c'est déjà pas mal. En vrai, c'est déjà pas c'est mal, hein, pour la game qu'il a eue. Bon, game précédente, Crème a eu le MVP. Cette fois-ci, ce sera soit pour Rookie, soit pour Shen. Shen a été plus impressionnant, ouais. Même si Rookie a bien évidemment fait son travail de domination mid lane et de déverser sa pression sur les sides. Bien évidemment, le doublé et les ultimes de Diana ont été très très bons. Surtout qu'il a également réussi à récupérer des kills même avant son niveau 6 grâce à sa rotation avec Rookie. Donc, ça ne m'étonnerait pas que Shen le récupère, ouais. Ce serait à juste titre. Ouais, ce serait bon, les deux, hein, je serais pas choqué, hein, finalement. Mention honorable quand même à Cold qui fait des bonnes choses dans ce BO. Malheureusement, là ça n'aura pas suffi, mais on se souvient de sa petite anticipation de flash de Rookie sur, ouais, son grand commit. C'était très très bien trouvé. Il y a des choses à faire également. Quand même, hein, du côté d'OMG. Le BO est disputé entre IG et OMG. Je m'attendais pas à ça côté OMG pour être honnête, mais c'est vrai que le fait que tu es un joueur assassin au mid, bah forcément ça peut t'emballer les games, quoi. Ça peut t'emballer les games et là ça l'a emballé dans le mauvais sens. Donc j'espère qu'on va au moins avoir une bonne adaptation du côté de Oh My God pour cette dernière game. Ils auront le choix du side et partiront logiquement sur le blue side. On se laisse pour une courte pause, on prendra le MVP après la game. Yes. Donc à tout de suite pour la suite de ce BO entre Oh My God et Invictus Gaming. Et de retour après cette égalisation des Invictus Gaming contre les OMG. Bon, un Pick Silas, on en a déjà pas mal parlé, mais un Pick Silas en R5 qui n'a pas permis de revenir dans cette partie. Et vous l'avez vu rapidement, mais c'est bien le jungler des IG, Shen, avec sa Diana qui prendra ce MVP. Voilà, je pense que le chat remercie ce choix. Bien évidemment, ils attendaient à ce que Shen le récupère avec sa Diana, qui était excellente. Donc voilà, c'est justifié. On repart directement dans la draft suivante. Les Oh My God, qui ont perdu la game précédente, ont donc choisi le blue side. On aura donc le counter pick pour les Invictus Gaming. Mais vu la qualité des counter picks actuels,
On est content d'avoir le blue side. Hein. Ouais, souvenez-vous, IG, quand ils étaient red set contre OMG, n'avait pas ban le Rumble. Il avait été first pick par les OMG. Mais la Akali de Crème avait posé quelques soucis. Le Rumble sera finalement ban, donc on aura une nouvelle introduction de leur côté. Le Udyr est disponible. Lee Sin aussi, et ce sera un Lee Sin de sécurisé. Le Lee Sin avait été ban en game 1, donc on n'avait pas l'occasion de pouvoir le voir. Bon, ça va changer directement dans cette game 3. Du côté des Invictus Gaming, on a quelques power picks à pouvoir récupérer. Je pense particulièrement au Ezreal qui, pour l'instant, est aux abonnés absents de cette partie. Ouais, c'est vrai qu'Ezreal a un bon pick à récupérer tôt dans la draft. Ça te permet de jouer weak side, ça scale très bien dès que ça a deux idées. Bah voilà. Le voilà d'ailleurs. Ça va, je devine pas trop les drafts aujourd'hui. Et ouais, Ezreal, c'est très bon depuis que le Divine Thunderer a été un petit peu modifié. Couplé avec une Leona, j'aime beaucoup l'idée. Ah, il y a eu le Shaco à nouveau. Il y a eu le Shaco à nouveau, bien évidemment. Un jour, il sortira et je pèterai les plombs. Ah, il fallait regarder la ligue australienne, hein, qui l'ont sorti à la fin du split dernier, mais c'était une game qualifiée Game Troll. Ça fait beaucoup, là. ça fait beaucoup, là, tout là, même. Là, vraiment, la chaîne. Ce n'est pas loin. Sachez que si une équipe en LPL lock Shaco, je deviens instantanément fan de cette équipe. Ouais, il n'y a pas de juste milieu. Si vous ne le saviez pas, derrière ces airs gentils et joviales, Aureus est un main Shaco. Voilà, depuis la S1. Oh. Depuis la saison 1, il en est fier dire. Tellement. Il en est fier, un main Shaco, quoi. C'est honteux. Quel bonheur, Marex me comprend. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais vous avez. Enfin, il y a deux psychopathes au casse français, quoi. Et on accepte ça sans aucun souci. Bien sûr, bien sûr. À côté, on a Frost qui est un main nocturne. Bon, personne qui joue des bons champions, quoi. Oh là là, et Akali. Akali qui a sa pardon de couper dans ses développements érotiques. Mais là, on a encore une grosse compression. Going blue side côté OMG. Avec cette Akali qui aille ça. Galio. Ah, ça me va également. Répondre au going par le going. C'est un peu l'idée, parce que déjà avec Volibear et Diana, on a envie d'aller dans la mêlée. Donc on attend à ce que le Galio soit ban également du côté de Oh My God, parce que là, pour pouvoir accompagner cet ulti Galio, on a déjà une Diana qui arrivera à très bien se positionner. Donc ça pourrait être une bonne chose de l'obtenir du côté des Invictus Gaming, mais normalement on n'aura pas ce choix du côté des Oh My God. Il reste également des supports à ban. Je pense tout particulièrement à la Leona. Donc côté Oh My God, j'attends des bans Galio Leona. Voilà, tout simplement, et ce sera un ban Lucian pour l'instant. Lucian, 7 côté IG également. Mais c'est vrai que c'était la rotation qu'ils avaient fait en deuxième rotation de ban OMG dans la game numéro 1. C'était Lucian, Galio. Et le Galio devrait être supprimé, je pense. Dernier ban à venir côté IG avant la réintroduction. Et il y a quoi là? Ce sera à lui dire finalement. C'est vrai qu'on n'a pas encore sécurisé de jungle. Lee Sin peut être flexé en jungle, mais pour l'instant il n'a pas gagné de game. Lee Sin jungle en LPL. Et là, le match-up contre Volibear, il le prend sans aucun souci, ça push bien au début de la partie. Les trades peuvent être à l'avantage d'un Lee Sin très vite dans la partie. L'Eviscerator fonctionnera bien également sur le top side. Bon, pas encore de ban Galio, pas de ban Leona, il faut en choisir un des deux. Le Galio sera donc retiré du côté de My God. Je considère que c'est un excellent choix de ban. Et du côté d'IG, on a donc la possibilité de prendre le support en 4 et d'avoir le counter pick mid lane. On hésite entre Leona et Nautilus. Leona fonctionne bien avec le burst d'Ezreal et on a déjà vu à quel point ça fonctionne bien en duo avec la Diana. Donc je préférerais l'avoir, même si je comprends la volonté de retirer le Nautilus à la Kai'Sa. Ouais, je trouve aussi que c'est un choix, on va dire, pas mauvais quand on voit la draft des OMG. Panthéon supporte. Ce sera réel, hein, je pense. Allez, on va continuer de green. Ouais, ça rentre clairement dans la composition OMG. C'est très bon avec Kai'Sa. Ça va gêner Nautilus et Ezreal. Ça va même gêner la Diana. C'est très bien récupéré la côté OMG. Et là, du côté du last pick des Oh My God, on nous montre pour l'instant un Viego. Et là, je considérais que le Viego a plus de chances d'aller au top et de mettre le Lee Sin jungle. Lee Sin jungle reste tout de même une bonne réponse contre une Diana pour pouvoir la repousser. Mais c'est vrai que Xin Zhao rentre exactement dans la même définition. À partir du moment où la Diana go in, R instantané, puis après on va aller rechercher le 1v1 en pouvant la coller au corps en ayant des meilleures auto-attaques. Donc le Xin Zhao répond bien. Par contre, les Xin Zhao ont habituellement été accompagnés de Karma et Lulu pour lui permettre d'avoir
un très très bon match-up, mais ce ne sera pas le cas cette fois. Last pick Invictus Gaming, ce ne sera pas un Sylas, on est déjà satisfait, ce sera à nouveau le Ryze de Rookie. Bon, Ryze contre Akali, c'est moins free que Ryze contre Sylas. Clairement, Akali elle a tout ce qu'il faut pour gap close, mais bon, la range de Ryze va la déranger quoi qu'il arrive sur la phase de lane avant qu'elle ait sa maîtrise absolue, son air. Et les compositions qui, bien sûr, sont sécurisées, on a beaucoup de dégâts magiques hein, quand même côté Invictus Gaming. Pour Niu et pour Aki, l'itimisation sera un petit peu facilitée, bien sûr. Il faudra aussi gérer le volley en early game, bien sûr. On a de quoi go in de part et d'autre. Peut-être un peu plus de flexibilité côté IG avec le portail transdimensionnel, avec les ultimes globaux, en tout cas celui de ce Ezreal. Les coachs se saluent. Et on aura dans quelques minutes le vainqueur de ce premier BO entre OMG et IG. Sachez qu'après, il y aura un autre BO3 entre les Raratom et les Edward Gaming. Ce sera un beau BO également. Hein. Les Edward Gaming qui ont répondu pour l'instant à l'appel du début de saison. Les Raratom qui nous ont proposé du bon jeu, mais qui doivent continuer de me rassurer. Parce que je considère toujours que cette équipe est un peu instable. Mais du coup, nous verrons ce qu'ils arriveront à faire. Vu que c'est tout de même une équipe qui a été dans le haut de tableau au cours du split précédent. Donc ça sera pour la suite de cette matinée, journée, après-midi, appelle ça comme vous le souhaitez. Pour l'instant, dans cette game 3, quand on regarde les compositions, on se dit tout de même que les teamfights late game, ça va être un pur banger. Hein. Entre Akali, Ryze, le Ezreal, l'engage de Rell, il va y avoir des énormes teamfights, des énormes regroupements. Et on les attend tout particulièrement autour... Troisième dragon, c'est à partir de là où les deux équipes vont pouvoir vraiment s'illustrer dans ce domaine. Ouais, et tu as cité tout ça, mais tu n'as même pas encore cité le Xin, la Diana, le Lee Sin en termes d'engage, de counter engage, de peel. Il y a beaucoup, beaucoup de choses aussi sur ces champions. Donc c'est clair qu'il y aura beaucoup de choses à surveiller dans les phases de regroupement. En tout cas, la game 3 de ce BO qui est lancée entre le OMG et les Invictus Gaming. On est déjà dans cette faille de l'invocateur et bien sûr pour l'instant petite cover classique pour éviter aux adversaires de prendre trop d'informations sur le passing du jungler. Ah oui, il y a eu deux Jalos supplémentaires pour OMG hein. Il y a eu d'abord les deux premiers OMG, puis après il y en a eu deux IG, et il y en a un qui a relancé pour Oh My God, qui reste une structure historiquement très très suivie hein, du côté de la LPL. Si vous ne vous souvenez pas, ou si vous n'étiez pas encore en train de suivre la compétition internationale à ce moment, à 2013, 2014, 2015, Oh My God, ah, c'était Bonger Team. Hein. Ouais, c'était vraiment une équipe à suivre, et qui a dérangé plus d'une équipe européenne, clairement. Et bon, ils sont un petit peu sur le début de cette partie. Passing bot to top pour les deux junglers. Donc on a la volonté de jouer sur Volley et sur Lee Sin du côté de ces deux équipes. Apparemment Aki ne va pas aller faire ses crux, sinon il les aurait fait après son raid. Du coup il va faire un passing 5 camps. Et il va même d'ailleurs passer sur cette ward pour la clear. Il l'a enlevé immédiatement. Ouais. Un petit passage niveau 2 de Xin, ça fait toujours peur, mais ça voudrait dire qu'il n'aurait pas encore son Z, donc pas l'engage à longue distance. Et en parlant d'engage justement sur le bot side, on a passé niveau 2 des deux équipes. Le flash de Cold. Cold sur ce BO est excellent et permet à Able de prendre le premier sang. Enfin Cold, il est trop chaud. Il est très fort sur ce BO, ouais, je te rejoins complètement. Et il permet complètement à la botlane de OMG de prendre l'avantage. Toujours 3 summoners par contre dans les poches des IG au bot contre un seul pour OMG. Une purge sera utile contre ce Nautilus un petit peu plus tard. Mais bon, la prio de base, on l'avait côté OMG, ça va venir accentuer un petit peu cette prio. Du coup, un bac à venir pour la Kaisa de Able, qui a déjà 1000 gold et bien quasiment dans sa besace. On va revoir ce qui s'est passé. On va revoir. Suivez particulièrement Cold. L'engage est bien répondu tout de même par Lucas, qui va cancel le bump, mais ça aura tout de même touché Wink. Et le flash en réponse instantanée, c'était entre réaction et prédiction pour le flash de Cold. Et pour pouvoir parler un tout petit peu plus de ce match botlane, Kai'Sa, Ezreal, c'est à l'avantage Kai'Sa normalement, qui va pouvoir toujours être un prédateur pour... Oh, petit blondinet, mais Oh My God,
n'ont pas envie de rester sur la bot lane. Il y a un support en plus avec Lucas qui est là. Il sache, tout le monde sait. Oh là là. Et ils ont juste attendu la plante. Le Larsen New ne sera pas là à temps pour venir aider ses mates. Et du coup, Carapater topside en faveur de Sean et de Invictus Gaming. On va pouvoir retourner sur ses phases de lane, donc après avoir assuré le Carapater topside pour son jungler. Je crois que Sean a peut-être des petites envies sur le topside. On ne va pas réactiver l'onde sonore du côté de New. Donc au final, on s'est battu en 4 contre 4 pour le Carapater top et on arrive à prendre le Carapater bot tranquillement, pendant que Sean va tout de même réussir à trouver un petit gang sur le topside qui ne forcera malheureusement pas le flash de New, mais ce sera un back TP qui sera forcé alors qu'il n'a pas encore la possibilité d'acheter ses fouilles des pics de fer. Ouais, clairement, la TP devrait être utilisée parce que la wave arrivera rapidement sous tour. Au mid, bon, on avait parlé un petit peu de ce match-up avantage de range du côté de Rookie. Le niveau 6 de crème est indispensable pour réellement pouvoir tenter des choses sur le Ryze. On va investir un petit peu dans la jungle bot side, là du côté de Haki. Le premier dragon dans 10 secondes, dragon des vents. Bon petit décalage là de la part de Lucas, parce qu'il a pris l'information que le Gromp venait juste d'être fait, d'être volé par Haki. Donc il est directement allé au niveau des loups, et si le Xin avait été un peu trop avare et était resté dans la jungle adverse, il aurait été en 2 contre 1, avec même un décalage de Rookie qui aurait été plus rapide vu qu'il avait la pression à la mid lane. Donc bon choix de la part de Haki de reculer immédiatement après le vol du Gromp, et bon décalage de la part de Lucas pour contrer cette éventualité. On va back sur ce timing 5 minutes 20 du côté de Crème. Ça va lui permettre d'acheter des items. Et quand il va revenir, la prochaine wave lui offrira son niveau 6. Du coup, il aurait eu un back et son niveau 6 en même temps globalement. Donc on aura peut-être un timing à jouer. Une fenêtre du côté de Crème dans l'agression sur Rookie qui lui est resté pour l'instant. Attention, agression top sur un Nenny qui est mid-life. Pour l'instant, New arrive à trouver de bonnes opportunités tout de même d'agression. Et Sean qui est obligé de rester... pas très loin de son top laner. Encore une fois une aggro là-dessus, flash out de Nenny, flash in le kick, on n'aura pas assez dégâts. Regardez Sean qui est là pour sanctionner, il était en shadow de son top laner et le kill sera encore une fois sécurisé par le jungler d'Invictus Gaming. Quel boss d'être resté à cet endroit, de savoir qu'il allait pouvoir bait jusqu'au bout. Par contre, on a vraiment envie de tenter de ça du côté de Haki, peut-être juste prendre la wave et l'empêcher de crash, mais malheureusement New... Nenny reste au milieu de cette dernière. Il back avant, Sean sera parti avant. Oh l'engage, c'est Pixel du côté de Haki. Nenny qui se fait complètement surprendre. Heureusement le foudroiement et le shield lui permettront de tanker tout ça. Mais on perd du temps pour le top laner et bien d'Invictus Gaming. Ah mais ça ping directement au niveau du bot side. Ouais. Le fait que le Xindao se soit montré au top va permettre à Diana de passer directement au niveau de la bot lane. Blue buff, Carapater et éventuellement faire un dragon vu qu'il va avoir la priorité à la mid lane, qu'il y a eu un back précédemment de la part de la bot lane de Oh My God. Ça coûte un dragon ce cancel back. Ah, ce sera qu'un premier dragon pour IG, peut-être pas celui qui fait le plus peur. En tout cas pour l'instant on ne l'engage pas, pourtant on a la vision, on a la prio au bot et on va plutôt investir dans la jungle. DOMG, regardez Cole qui va se rendre compte que les Invictus Gaming sont à l'agression. L'abordage va passer Sean. Et dans la mêlée, on a le niveau 6 qui est encore sous CD, bien sûr. On restera en vie. Cold est en vie avec cette escarmouche. Par contre, on récupère le red buff du côté de Sean. Rookie est allé un petit peu plus loin également. Oh, Haki qui a encore envie d'affronter. Oh non, frérot. T'es pas niveau 6. Tu fais rien. Retourne tranquillement faire, je sais pas, autre chose, back. Tout est mieux que ça. Mais là, c'est mort. Et c'est un solo kill pour Rookie. Au final, la situation était pas si mauvaise que ça du côté de Oh My God, qui avait réussi à s'en sortir. Ils ont perdu le dragon, bien évidemment, mais il était obligatoire après le move au top. Et là, on donne des golds supplémentaires. C'est ce que j'étais en train de me dire. J'étais en train de dire, il est passé dans le fog en fait. Parce que tu ne fais pas ça, normalement, même si... Il l'a pas vu, quoi. Non, il était Ok. C'était pas un bas frérot, c'était un rookie jetière. C'était okay. Un pas de chance à qui. En vrai, en termes de timing et en termes de Fog of War, c'est vraiment un timing malchanceux pour le jungler de Oh My God. Ouais, et ça permet d'avoir le premier Drake aussi, hein, côté IG, puisque forcément, si le jungler en face est mort... C'est beaucoup plus facile. Par contre, 8 minutes 25 dans cette troisième game de ce BO. Et le héros de la faille qui est là depuis maintenant une trentaine de secondes, engagé par les OMG.
Et les deux ont le smite rouge, genre, c'est ça? Ou on a toujours le smite? Non, on n'a pas l'amélioration du smite sur Aki. Ouais, on n'a pas d'amélioration de smite sur Aki. Il a encore la petite machette que vous voyez dans son inventaire, qui veut dire qu'on a le double des dégâts du côté de Kshun. On est en 5v5 pour jouer ce héros de la faille. On s'attendait à jouer au niveau des dragons pour les teamfights. Mais encore une fois, une engage de la part de Kshun dans la backlane qui va directement trouver New. Mais New a normalement les dégâts pour pouvoir lui répondre. Heureusement, on a un arc terrible de la part de cet Ezreal qui va réussir à prendre le kill pendant qu'on a un doublé de l'autre côté de la part de cette Kai'Sa. L'encre va être dodge de la part de Krem pendant que Rookie va tout de même réussir à trouver un Q-spell salvateur pour pouvoir prendre le kill sur son opposant direct. C'est un 2 pour 2. Aucune des deux équipes ne va pouvoir prendre le héros de la faille. Oh, par contre, on veut aller encore plus loin. Mais Cold et Abel mais qui retourne ce fight. Flash in de la part de Abel. Et au final, Rookie aura rendu l'appareil. Et c'est un... Unofficial pentakill pour Abel qui se met tellement bien. Regardez, il a 5300 gold. Il met 2000 gold à son vis-à-vis direct. On va revoir cette phase de jeu dans la rivière. Topside, l'engage de Sean est absolument parfait. Il met des dégâts à la backlane monstrueux, mais ça manquait d'un petit follow-up pour finir le kill sur Abel qui du coup se régale. Krem qui sème un petit peu la zizanie dans la suite de ce fight, récupéré par Rookie. Mais derrière, on s'est vu un petit peu trop beau sur ce portail transdimensionnel. Et Cold, encore une fois, qui répond présent. Et là, c'est un stun sur 3 personnes pendant que Abel arrive à se repositionner. Oh là 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 là, c'est un shutdown en plus de ça. On a une Kai'Sa qui va faire tellement mal. Mon Dieu. Tueur de Kraken déjà débloqué. L'écart au gold n'a pas été fait. Mais en termes d'AD carry, il y a un grand canyon. Exactement. Et là, le gouffre est démentiel. Et le skill... Oh, mais il a une dague dans le clé en plus. Ah non, mais là, oh, ouais. Il a un timing où vraiment, il... Là, le call, c'était... Bon, je suis huge, on peut faire des trucs. Voilà, totalement, ça va jouer au niveau du bot side, du côté de Oh My God. Il faut jouer autour de cette Kai'Sa désormais, qui va même se permettre de décaler à la mid lane. Allez, on prend une pink ward, on ne pourra rien faire de plus, bien évidemment, on va retourner au niveau du bot side. Mais on doit respecter sur ce timing du côté de Rookie qui va juste push cette wave et essayer de récupérer un peu de vision à son tour. Ouais, bon, on a ce héros de la faille côté Shen. Il va falloir le surveiller, hein, celui-ci. Dragon dans moins d'une minute trente. Donc on pourra jouer le héros de la faille en synchro avec le Drake pour avoir une prio plus facile. Effectivement, jouer le Drake dans la foulée. Et Abel, hein, bien sûr, l'observateur qui nous le montre, il est monstrueux sur cette early game. L'observateur nous le montre, on a également sa photo, ouais, à gauche. Regardez-le. Mais on voit également son montant de gold, juste en dessous des 6000 gold. Rookie n'est pas si loin que ça, hein, au final, avec son Rise. C'est vrai. 5300 c'est vrai. Gold, malgré un score qui n'est pas aussi impressionnant, Rookie est présent. Ah, il a récupéré un peu plus de farm pour l'instant que Abel. Il a tout de même 2 kills et un assist. Il pèse dans la balance. Et prise de vision côté OMG. Mais bon, cette pink ward défensive côté IG fait le travail. Ils sont chez eux. Dans ce petit couloir, les IG. Ils sont chez eux, mais Cold, attention à ce joueur. Cold nous fait un excellent BO. Ouais. On va falloir qu'on garde son nom en tête. Parce qu'il n'a pas fait énormément de bruit lors du précédent split. De par la mauvaise performance globale de son équipe, bien évidemment. Mais là... Il enchaîne les bonnes performances et ça permet au Oh My God d'être dans une bonne situation malgré un early game un peu plus difficile. On va donner des ressources supplémentaires à Rookie, à la mid lane, des plaques supplémentaires qui vont tomber juste avant la 14e minute de jeu, mais la tour restera debout avec un faible pourcentage d'HP. Ouais, elle sera facilement récupérable cette tourelle. On reprend de la vision à Rivière bot side. Ça avait été joué sur la faille, comme on l'avait mentionné, en synchro avec l'apparition du dragon. Mais regardez l'engage de Cold qui n'a pas froid aux yeux là-dessus. On arrive à très très bien les contrôler. Le kill directement sur Rookie qui tombera Wing sur le côté, qui arrive, qui pour l'instant n'est pas inquiété. Quoique New va arriver, le kick, on enchaîne sur Wing qui n'aura pas beaucoup d'options de fuite. L'onde sonore et le coup résonnant dans la foulée. New va prendre ce kill sur Wing pendant que de l'autre côté, les IG auront réussi à résister aux dégâts nombreux des OMG. Ouais, c'est un 2 pour 1. Mais le shutdown de Abel sera tombé entre les mains de Kshun sur sa Diana. Donc ça fait énormément de gold
Et on sait, on l'a vu à la game précédente de ce dont il était capable avec beaucoup de ressources. Donc c'est un tout petit peu malheureux, mais ça fait tout de même le premier dragon du côté des Oh My God. Nous partirons sur une âme des océans et nous allons revoir cet engage. Cold, il est si décisif à chaque fois. Ouais, mais là, Shen qui a un accès immédiat sur la Kai'Sa. L'arc Térébrant ne va pas toucher malheureusement, mais on avait mis l'ultime de la Diana ainsi que la grenade ASM pour pouvoir récupérer cette Kai'Sa. Ah mais comme tu l'as dit, attention à Shen qui récupère l'interruption sur la Kai'Sa. Ça va faire la différence sur la suite. D'ailleurs 450 gold de plus pour Rookie. On a un duo mid jungle côté IG qui est très très bien dans la partie, bien mieux que celui des OMG. Ouais, parce que là du côté d'OMG on a une bot lane parce que les kills sont répartis uniquement sur la bot lane. Ouais. Je crois qu'il y en a que 7 à la bot lane, 6 sur Kai'Sa, 1 sur Cold. Du coup, il doit en rester un qui se balade d'ailleurs. Un sur New normalement qui a réussi à prendre le kill sur Wink dans le fight précédent. Sur Wink effectivement. Ouais. Oh bah tiens, et le flash est forcé immédiatement de la part de Kshen. Et bien qui va se repositionner. Excellent catch. Ouais, ça va faire utiliser eh bien le flash de Abel qui ne l'aura plus. Attention par contre, New au niveau de la top lane contre Neni. Neni qui se replie. Pas facile ce match-up pour le jeune joueur top lane des Invictus Gaming. Pour ceux qui nous rejoindraient, sachez que The Shy est toujours top laner chez IG. Il est juste... il a terminé sa quarantaine, on va dire. Et du coup, pour ce match contre OMG, ils ont laissé leur sub Neni aligné dans ce 5 majeur. Ouais, on le reverra sûrement la semaine prochaine, si tout se passe comme prévu. Il jouera lundi prochain. On espère, hein, un peu du côté d'Invictus Gaming. Bah oui, quand même. Même si le fait d'avoir un remplaçant top laner, voilà, ça mettra peut-être un tout petit peu de pression sur les épaules de The Shy. Même si je pense, et je pense qu'il pense, qu'il est intouchable. Possible. C'est très possible même. Et bon, le stacking de la Tears est terminé pour Rookie. Donc, le bâton de l'archange se transformera instantanément en Séraphin. Je crois qu'on aura récupéré l'item. Et on aura un spec deux items intéressants, même très forts pour Rookie, qui ne va pas s'arrêter. Là, en termes de scaling, double guard drinker pour le duo top jungle des OMG. Plus de tankiness, plus de regen également. Et on push, on met de la pression. Côté OMG, on veut jouer ce héros de la fin. Je vois dans le chat que ça se permet de diffamer énormément Invictus Gaming sous couvert de diffamation envers Nascad. Ils feront les playoffs. On va réussir à retrouver un The Shy qui va réussir à dominer la top lane. On va tous voir flou et on va continuer de dire que The Shy est l'un des meilleurs top laners en termes de pic de performance avec un rookie qui arrivera à dominer. J'ai toujours confiance en cette équipe et arrêtez un peu de diffamer le pauvre Nas. Il a déjà du mal à supporter cette équipe. Ouais, ils seront en playoff ou pas. Le temps nous le dira. Et les OMG... Il continue d'avancer au mid, attention par contre ça joue la T2 bot, hein, côté Invictus Gaming proactif hein, sur cette phase de jeu pendant qu'on joue la T1 top. Côté OMG, T2 bot récupéré mais héros de la faille au top. Ah, on aurait peut-être pu sauver quelques points de vie de ce héros de la faille, en tout cas Crème a sa téléportation de disponible, il va continuer de mettre de la pression au top. Mais regardez, il y a Lucas qui arrive, Wink et Shen ne sont pas très loin. La deuxième charge va passer. Mais Lucas sera là à la réception pour empêcher cette tourelle de tomber. Ouais, c'est un bon trade hein, pour les Invictus Gaming là-dessus. Ça a forcé New à devoir prendre la wave très très haut. Je vois que je défends Invictus Gaming, on m'attaque directement sur les sendings. C'est dingue. J'aime bien l'ambiance là, j'aime bien l'ambiance. J'espère vraiment qu'ils arriveront dans le top 10. j'ai peu d'espoir, mais ils vont pouvoir peut-être réussir à le faire. Donc, de toute façon, c'était une équipe forcément diesel qui montait en puissance tout au long du split. Et leur fin de split, ce sera contre des RNG, des FPX qui se baladent dans les dernières semaines de compétition. Donc j'espère que les Sunning seront de retour. Le collectif est tout de même très puissant, très talentueux. Ah, et puis On a bien trouvé sa place aussi. Hein. Deuxième rookie de la semaine, on le rappelle. Et l'entrée des Sunning, c'était pas la meilleure. Ils ont rencontré quand même WE, IG tout de même. Et il y a Up et BLG qui les attendent sur cette semaine 2, donc c'est pas n'importe quelles équipes. On a pas mal parlé de leur line-up, on en reparlera d'ailleurs ce soir dans le Bagarre Club. Hein. C'est Lela Riva qui vous fera une chronique sur
qui a gagné le mercato. Voilà, c'est le titre de sa chronique. Parce qu'il y a eu pas mal de mercato côté BLG, Ultra Prime aussi, qui ont renamed, c'était E-Star, hein, pour ceux qui connaissent bien sûr la LPL depuis quelques mois, peut-être même quelques années dans le chat. Donc voilà, on va parler un petit peu mercato bien sûr ce soir en reprise de LPL. Tiens, je suis curieux d'avoir son avis, mais pour l'instant on a une engage de la part de IG, immédiatement répondu par Cole. La tempête magnétique est bonne pour l'instant, mais on a tout de même une Diana au milieu de la mêlée, une nouvelle fois le portail transdimensionnel qui va sauver Rookie au dernier moment. Le kill est récupéré par Shun pendant qu'on a une Akali qui a volé au-dessus du teamfight pour prendre le kill sur le champion du monde 2018. Réengage également de la part de Abel qui est en free DPS désormais. On a Nini qui essaie de tout donner pour prendre le kill et qui va mordre la Kai'Sa et la renvoyer à la poussière pendant que New au milieu de la mêlée arrive tout de même à sustain pendant très longtemps. Est-ce qu'on arrive à trouver le tir mystique? Il n'est pas touché. Il n'y arrive pas. Cole qui le protège. Il ne peut pas réactiver son nom de sonore parce qu'il se prend un tir mystique. Allez, on continue. Weak, gauche, droite. On arrive à dodge. On arrive à tout trouver. On arrive à trouver le transfert arcanique. Mais malheureusement, les auto-attaques de Lee Sin viendront à bout de la décarrée des Invictus Gaming jusqu'au dernier moment. Ça ne passera pas. Il y a deux personnages, deux joueurs vivants côté OMG à la fin de ce team fight. Bien géré tout de même. On a Eyeball qui a pu positionner ses dégâts pendant une longue partie. Bon, Wink encore un petit peu plus. Mais regardez encore une fois l'engage de Cole. Et regardez Crème dans la backlane qui sème complètement la Zeni, qui se repositionne et qui revirevolte dans ce fight pour aller chercher Rookie. Heureusement, réflexe du midlaner qui aura réussi à placer son gel éternel, forçant Crème derrière à flash out. Wink à la réception avec un bon tir mystique pendant que son top laner Nenny temporise le reste des joueurs OMG. On auto-attaque, on régène. Mais Cold a fait le play encore une fois. Il a permis à New de résister. Le shield, le stun, on enchaîne. On a la régénération, bien sûr, du côté de ce Lee Sin. Franchement, Wink, il était pas loin de faire l'exploit là-dessus. Oh là là, c'est passé si proche. Mais malheureusement, l'éviscérateur était revenu. Et un petit pied-bouche supplémentaire. Alors par contre, on a un fight sur le bot side. On essaie de s'en sortir du côté de Crème. C'était pixel parfait. Il va pouvoir revenir juste pour flex des mécaniques. C'est bien, ça fait un ulti tout de même en moins du côté de la Kali. Donc on va pouvoir avoir la pression du côté de Rookie sur le bot side qui va pouvoir push la wave extrêmement loin. Ça continue. On a acquis dans la mêlée. Abel prendra un premier kill là-dessus. 4 contre 4 sur cette mid lane avec l'arrivée de Wink et de Rookie. Il y a Crème également qui revient. Supériorité numérique pour l'équipe Blue Side. On a la volonté de prendre cette terrain langage de Cole là-dessus qui trouvera quand même Shun. Shun ne peut pas DPS là-dessus. Le kick est très bien positionné. On se replace d'ailleurs le Stormbringer pour Nenny, mais c'est un kill supplémentaire pour la Nekari des OMG qui se fera réceptionner là-dessus. Wink, lui, est toujours en vie avec son Ezreal. Rookie l'accompagnera avec un Blue Buff de disponible. Tentative de R sur Crème qui aura réussi à l'esquiver. Rookie a mis des dégâts monumentaux dans ce fight. Il a dû mettre genre 3 ou 4 000 de dégâts. Il a eu des Q-spells spread sur plusieurs cibles à chaque fois. Et on va revoir l'engage initial. C'est un kick de la part de New qui enlève tout le potentiel d'engage de Lucas. Et Cold a tenté une re-engage. Mais gardez un œil attentif sur Rookie qui n'est jamais inquiété par l'engage de la réelle et qui va réussir à la supprimer dès le départ. Le gel éternel bloque également New. Ouais. Et ensuite, son DPS est excellent et va punir Abel une nouvelle fois. Ah ouais, si la prod LPL envoie les dégâts des champions dans ce fight, je pense effectivement que Rookie sera l'un des mieux placés. New qui retourne au niveau de sa top lane, il y a une grosse wave à catch. C'est vrai que pour l'instant, au niveau de cette top lane, les tourelles n'ont pas du tout été inquiétées. On a ce Baron Nashor qui est là depuis un peu plus de 2 minutes. Maintenant, il va falloir commencer à s'en préoccuper. Deux Drake à 1 en faveur des OMG. Le troisième, c'est pour dans moins de 3 minutes maintenant. Donc, il y aura peut-être des choses, des événements autour de ce Baron Nashor d'ici là. Rookie qui continue de faire son petit bonhomme de chemin en termes de farm. Et Wink qui est bien remonté également en farm. Ah, il est bien remonté également, c'est vrai. Et ça permet à l'écart au gold d'être totalement inexistant. On est à 300 gold d'écart entre les deux équipes, malgré les 25 kills à 22 minutes de jeu. Une bonne partie à IG tier. Clairement, barrage terrible encore une fois sur la mid lane. On va aller chercher la wave plus rapidement. Ça stack aussi le passif de ce Ezreal qui augmente sa vitesse d'attaque. Et donc on peut clear ce qui arrive un petit peu plus rapidement. C'est pour ça aussi que parfois l'ultime est utilisé en début de fight. Ça stack très rapidement si vous arrivez à toucher le passif et du coup vous gagnez en attaque speed. Très sympa. On a envie de continuer le jeu autour de ce Baron Nashor. La vision est totalement à l'avantage des Invictus Gaming. Et rien que le positionnement de Rookie force le recul de Crème.
Maintenant qu'il n'y a plus beaucoup de wave, il va pouvoir s'avancer et espérer au moins prendre le dernier creep d'une wave complète qu'il a tout de même perdu sous sa tour. Pendant que Wink est plutôt tranquille pour pouvoir dépush cette wave et même mettre un petit taquet à la Kai'Sa Dive Ball. Ouais, surtout que ça proc le Mystic Shot, le Divine Thunder. Du coup, les dégâts sont bons, regardez. Cling, cling, cling. On trouvera 3 joueurs encore une fois sur cet arc Terrebran. Les dégâts de Wing sont bons dans cette game et ils ne feront que croître. Par contre, on a un timing 3 items sur Able. On n'est pas si loin que ça, hein, du cœur gelé également du côté de Wing. Pendant que Rocky, lui, paraît tout de même loin de son archange. J'espère qu'à son prochain mac, il aura une baguette trop grosse. Oh, par crème. Contre, faut faire attention. Hein. Crème, il peut y aller. Hein. Il y avait la Protobelt. Hein. Il y avait un monde où il le tentait. Mais il a plus envie de récupérer une wave qu'il est sûr à 100% d'avoir les gold et l'XP plutôt que d'aller tenter un 1v1 face à un Raez qui peut tenter de la outplay vu qu'il a Zonia et Gel Éternel. Ouais, on a pas mal de choses. Il a récupéré une baguette trop grosse. Donc l'archange, hein. Prochaine étape côté rookie. Récupération de cette wave mid pour Wink. Pas inquiété, il a son Arcane Shift de toute manière pour se replacer si jamais Cold tente quelque chose. Mais Cold, il va aussi falloir l'avoir à l'œil. C'est ce que fait Wink d'ailleurs. Et Exrinker du côté de Able. Il en a marre des dégâts de Shen et de Rookie. Ce sont les deux personnages eh bien, qui font énormément de dégâts dans les phases d'engage. Et en termes de DPS ensuite, le Raze prend le relais. Du coup, Exrinker très bien vu pour la décarie des OMG. Ouais, on n'a pas encore de voice staff hein, du côté de Vinctus Gaming. Donc rien que la résistance magique va lui faire du bien pour pouvoir tanker un peu les tentatives de Shen et de Rookie. On rejoue à nouveau le jeu de vision. On va prendre la Pink Ward dans cette rivière topside. Mais le dragon des océans est disponible au bot et est en train d'être solo par New. C'est bien fait. Hein. Ça, c'est très bien fait côté MG. On a peur quand même du côté de New. Ça a été vu par Nenny. Mais regardez, il n'a pas du tout le droit de rester dans cette rivière avec l'arrivée de Crème. La primide va être importante. Et regardez, l'Invictus Gaming avec ce portail transdimensionnel qui engage directement ce Baron Nashor. New a lâché le Drake. Il faut être présent à la défense. Ouais, c'est bien bon choix là, de la part d'Invictus Gaming qui ont essayé de prendre les Oh My God de court. Un arc terrible pour mettre quelques dégâts en retour. Par contre, la priorité mid lane est totalement à l'avantage des Oh My God. Ils vont pouvoir donc push la mid lane, puis décaler pour prendre ce dragon qu'ils espéraient pouvoir prendre avant. Mais pour l'instant, on s'affaire à la tour à la mid lane qui va désormais être prise. Tour mid contre tour top, avantage Oh My God. Ouais, surtout que New est retourné sur ce Drake. Hein, donc on peut récupérer un troisième dragon pour l'équipe Blue Side qui met plus qu'en difficulté les Invictus Gaming dans ce BO. C'est récupéré, on n'est plus qu'à 5 minutes, 5 minutes 30, 6 minutes de cette potentielle âme des océans. Côté OMG, Crème, topside à la défense de cette wave. Mais attention, Rookie. Rookie qui fait peur avec son Raze. On a passé le timing 25 minutes de jeu. Il faut rester vigilant. Totalement. En plus de ça, il n'y a pas de vision derrière. Donc il aurait pu avoir Lucas et Shen en embuscade. C'est pourquoi il n'a rien tenté du tout. Le reset a été fait. Alors, est-ce qu'on a l'archange du côté de Rookie? Ce serait un timing très très important pour toute la composition IG. Alors, on hésite de revendre le seau noir et ça va lui permettre de débloquer l'archange désormais. Ouais. 3 items complets également sur Wink. On a un timing très intéressant pour l'Invictus Gaming. Ouais, on a moins de ressources hein, pour Crème qui est en train de terminer cette wave. Peut-être un back également à venir, mais le Baron Nashor est toujours là. Et cette fois-ci, on est sûr qu'il n'y a pas de Drake pendant un bon moment pour ces deux équipes. Du coup, il faut sécuriser la vision un maximum. Cold, hein. Il n'hésite pas à avancer, savoir ce qu'il se passe dans cette river. Et Lucas et Nenny qui sont là pour reprendre un petit peu la vision. Le blue buff va être récupéré également par... ce sera par New, finalement, et pas par Crème qui a fait son back. Et qui a une barrière verdoyante, donc lui aussi un petit peu plus de résistance par rapport à cette Diana et ce Raze. Ouais, ils se disent que ce sont les conditions réelles de victoire de teamfight du côté d'Invictus Gaming et il n'a pas complètement tort du tout. Wink doit tout de même le prendre un peu du côté de son ego, à se dire qu'en face on est en train de stack la résistance magique. C'est le moment de faire un gros teamfight avec Ezreal pour prouver sa valeur au rôle d'AD Carry d'Invictus Gaming. Ouais, ça va être le moment effectivement
On a Neni au niveau de la top lane, téléportation disponible. Attention, l'engage de Cole, encore une fois, il trouvera 3 joueurs. Téléportation dans le dos pour Crème avec sa Akali. Les dégâts sont bons pour Able qui se repositionne à qui dans la mêlée, qui tank pour son équipe. On arrivera à prendre le kill sur Wink. On a clairement l'avantage maintenant du côté des OMG. Portail transdimensionnel, Rookie se repositionne, mais c'est déjà trop tard. 4 joueurs sont morts. Il ne restera plus que Neni et ce sera un clean ace en faveur de ces OMG. Qui vont tourner directement vers le Baron Nashor. Je voulais un énorme fight du côté de la Dekari IG. J'ai eu un énorme fight du côté du support des Oh My God une nouvelle fois, qui avec son langage de réel n'est absolument pas mort. Il va prendre son MVP. Hein. Ah, il le mérite, ah, il le mérite tous les jours. Même si Able a un score flamboyant. Regardez-moi cet engage de Cold. Allez go, je flash. Et il a immédiatement accès à Rookie, Shun et Wink. C'est parfait, c'est parfait. Le follow-up est pixel. Ouais, on essaie de se repositionner à côté Wink, mais ses deux summoners et son Arcane Shift n'auront pas suffi. Derrière Rookie, qui se fait réceptionner par Able. Le triomphe qui proc sur Crème. Ça le met très large. Il peut se permettre de retourner sur le Volibear qui n'a pas les dégâts hein, sur un timing 30 minutes de jeu. Et tout devient beaucoup plus dur maintenant avec ce Baron Nashor sur 5 joueurs pour IG. Il va falloir réussir à défendre à Turtle. Parce qu'on a toujours ce scaling et ces engages de Shen qui pour l'instant se fait dominer en termes d'engage face à Cold. Ouais, du côté de la Kai'Sa, on est désormais à 4 items complets. Plus un ex-drinker. Donc on a un avantage considérable qu'on va pouvoir continuer de faire valoir dans les teamfights si les engages de Cold continuent d'être aussi parfaites. On va essayer d'assiéger la tour à la botlane et on va réussir. Sans aucune contestation, la T2 bot va tomber. Pendant que Kroki, lui, est en train d'essayer de prendre la T2 à la top lane. Ouais, Kroki qui continue au niveau du top. Il va back ou est-ce qu'il va continuer le portail transdimensionnel? Et il y va hein, sous la T3, on l'a vu, l'engage par contre là, à l'entrée de la base des Invictus Gaming. Les dégâts sont bons, mais regardez la défense est approximative. Les kills s'enchaînent du côté des OMG. On va pouvoir totalement terminer la game. Le trade base est à l'avantage des OMG face à un Ryze. Là, on vient de voir à quoi ressemble Invictus Gaming sans Rookie. Il n'y a rien à faire. Le 5v4 n'a pas pu être défendu. Et les Invictus Gaming vont tomber 2 à 1 face au Oh My God après de nombreux fights, mais les deux derniers auront été à l'avantage Oh My God. Et donnez un MVP à Cold, s'il vous plaît, donnez-lui pour l'ensemble du BO. Ouais, il le mérite. Hein. Il le mérite tellement ce MVP Cold. Et tu sais ce que ça veut dire ça, mon cher Zerotic? Vas-y. Vas-y. OMG supérieur à Sunning. On verra bien, on verra bien. Mais pour l'instant, effectivement, c'est le cas. Les Oh My God, qui avaient perdu la première game de leur split face au Raratom, passent désormais en 1-1, atteignent le milieu de tableau et sont donc bien au-dessus des Sunning. T'inquiète, on aura la réponse en direct en week 5. Entre Sunning et OMG. Week 5, du coup, les Sunning, le diesel se sera mis en route. Ouais, voilà. On aura déjà passé la deuxième vitesse, j'espère. J'espère. Mais en tout cas, les Oh My God, on a vu des trucs très très rassurants. L'arrivée de Crème à la mid lane dans une méta où les mêlées fonctionnent très bien leur fait du bien. Cold, qui a complètement step up hein, depuis le dernier split. Donc, on a une équipe qui fonctionne bien et je ne sais pas si les Lariva a prévu de parler du recrutement des Oh My God au cours du dernier split, mais. Ils ont tout de même gagné au change, parce que ça ressemble pas forcément à une équipe top 16. Eh ouais, je crois qu'il va faire un petit brief sur un peu toutes les équipes où ça n'a pas changé, les équipes où il y a eu quelques échanges, les équipes qui vraiment, eux, ont eu des imports. Mais ouais, il y aura pas mal de choses intéressantes à dire. Et 2-1 pour les OMG, ça y est, qui arrivent à scorer un point dans cette LPL. Ouais, ça leur fait énormément de bien, ça va leur faire du bien à la confiance. Et contre les Invictus Gaming, ça fait toujours beaucoup de bien. Donc, les Invictus Gaming, je vais juste vérifier, petite confirmation, mais d'accord qu'ils étaient en 1-1, oui. Du coup, la seule équipe qu'ils ont battue, c'est les Sunning. Yes. Yes. On est joyeux. Ça me rassure, bien évidemment. Ça me rassure de savoir que Bean s'est fait solo kill par Neni, qui était un joueur remplaçant, qui au final s'est fait exposer par les autres laners dans les matchs d'après. Ça me rassure énormément. Tu veux te confesser un peu, Zerotic, en notre présence, regarde. Je suis là, on est avec le chat. Je vais refaire des câlins au pauvre.
Je vais refaire des colos. Des colos, des colos. Tu fais ce que tu veux avec le poro. Vraiment, mais ça ne me regarde pas. Mais ouais. Bon, en tout cas, ça fait du bien. Oh my god, ça fait du mal. Onyxus Gaming, qui ont une semaine complète avant d'avoir leur prochain match, qui sera lundi prochain, donc. Ouais. Et il sera contre les Ultra Prime, donc une équipe qui a donc fait ses fameux recrutements et qui aura peut-être des choses à faire valoir. Ouais, ce sera un match important, hein, clairement pour la LG, c'est Ultra Prime. En tout cas, bon, le temps qu'on attende les statistiques de la game et le MVP pour Colt, je l'espère, je l'appelle de tout mon cœur. On peut parler déjà un petit peu du prochain BO, Zerotic, les Raratomes contre les Edward Gaming, deux équipes qui ont participé bien sûr aux playoffs du Spring. Les RA qui se sont inclinés face aux FunPlus qui, eux, avaient fini deuxième, ouais, hein, des playoffs du Spring. Les Edward Gaming, un peu plus compliqué, ils ont commencé au niveau du round 4, donc en même temps que les RNG. Les deux ensuite se sont rencontrés dans le loser bracket et RNG s'est imposé ensuite contre les Edward Gaming. Mais bon, on a Viper, on a Scoot qui sont très très chauds, donc j'ai peur quand même pour les RA, mais malgré le fait que ce soit une équipe que j'apprécie beaucoup. Highboy, on voit qu'il prend ses marques, Fofo est très chaud. D'ailleurs, Scoot contre Fofo, ça va durer un peu ce match. Effectivement, le matchup mid lane, on va le suivre avec une attention toute particulière dans le prochain match. Donc on voit rapidement sur le récap de la game précédente. Ça a été très serré pendant longtemps, hein. Regardez le graphe de gold en bas à gauche de votre écran. Ouais. Mais ne vous détrompez pas, on avait toujours un Able qui était bien devant dans la partie et ils ont réussi à l'utiliser de la bonne manière. Kshan et Rookie ont fait peur, mais l'itemisation autour de la résistance magique aura permis, oh my god, de prendre les derniers fights. Wink n'a malheureusement pas été au rendez-vous, même si ses dégâts étaient, ouais, étaient agréables à regarder. Bah, c'est pas facile de jouer déjà Ezreal dans Kai'Sa, surtout, ouais, quand la Kai'Sa récupère très tôt 6 kills. C'est donc, beaucoup trop. Tu peux vraiment plus jouer contre elle, quoi. Elle te go in et elle va te maltraiter, hein, tout simplement. Il a quand même réussi à trouver des petites choses, des petits moments où il a pu mettre ses dégâts, mais je vous rejoins, hein, c'est pas l'ancienne botlane des IG Baolan, Jakilov, quoi. Ah non, ça fait un tout petit peu moins rêver. Oh, on a dans l'oreille l'information, mais on attend de le voir à l'écran, mais... D'accord. Ok, ça marche. Eh bien, ça marche. Bon, vous le voyez, pas d'asset pour Cold, puisqu'il faut aller assez vite. Il y a l'interview qui ne va pas tarder du côté de Wendy. Et premier MVP pour Cold, qui le mérite. Il le méritait aussi un petit peu tout de même dans la game numéro 1. Ce sera fait sur la game numéro 3 de ce BO. Et c'est mérité. Ah, c'est totalement mérité à 100%. Dommage de ne pas avoir toutes les stats, de le voir devant son perso, devant cette Rel qui aurait été si bonne en engage, si douée. Et bah ça a été deux games de Rel, deux victoires. Donc on va peut-être revoir des Rel pour contrer ce genre de composition qui a juste envie de sit back et de jouer autour de deux gros carries. Donc très bonne Rel, MVP mérité pour Cold. Ouais, clairement ce sera un des joueurs à suivre, hein. Finalement Cold, Crème, ça me plaît beaucoup, hein, ce petit duo mid support côté OMG. À voir ce que vont réussir à faire ensuite dans cette compo, New bien sûr, Aki et Able, la décarry de cette équipe qui a plutôt pas mal shine, hein, dans cette game numéro 3. Mais bon, ça, est-ce que ça a le potentiel d'aller accéder à un top 10 côté OMG? Ça me paraît compliqué tout de même. Ça paraît quand même dur. Ça paraît dur. Mais pour l'instant, c'est un meilleur début de split que ce qu'il nous avait offert, ouais, au split dernier, l'année dernière également. Donc, on peut être un tout petit peu plus rassuré, un peu plus content pour les Oh My God. On dit justement que l'interview avec Wendy est disponible et ce sera justement Crème, le mid laner d'Oh My God. On se retrouve tout de suite après pour pouvoir la débrief. OMG, so congratulations on to this win, and this is your first split to play on in LPL. So I'm very curious about your feeling of playing on the stage of LPL, and also are you satisfied with your own performance so far? 那首先恭喜你们，今天也是拿下了比赛的胜利。这个赛季也是我们 Crim 选手来到我们 LPL 的第一个赛季嘛，所以说在 LPL 的舞台上打比赛有没有什么特别的感受呢？然后呢，对自己到目前为止的表现还算满意吗？就感觉还是有点紧张吧，这打的。我感觉自己表现挺第一把的话还行，后面两把的话打得有点差。
I feel I'm still a bit nervous about playing on the stage of LPL, and in terms of my own performance for today's game, in game one, I'm quite satisfied with it, but I think I didn't manage to play quite well in both game two and three. I think you're very humble because I think in the last game, you still played so good. So let's talk a bit more about the last game, because that game was very close and intense between the two teams. But OMG, with the hard engagement from Cold and also the very good coordinations among all the teammates, you were able to smash the opponents. So could you know more about the team's communication in the late game for game three? 那其实我们的 Cream 也是比较谦虚的，因为其实你第三局也表现得特别亮眼，然而特别是我们感觉那一局比赛双方是比较焦灼的，但是呢，在后期你们包括一个小五的一个主动开团呐，还有说你们整体的一个通力配合合作，感觉你们的团战就是打得比对方要更胜一筹，然后最后拿下了胜利。所以想问一下，可能在第三局一般后期的处理或者沟通是怎么样的呢？沟通就是我们当时准备的就是让辅助去开团，我们 ADC 早机会去切进去吧。 So for the communication in game three, we just let our support player code with that role to make the hard engagement to initiate the team fight, and also our AD player with that Kai'Sa, he was able to make dealing a bunch of damage to run straight to the opponent's team, and also because although definitely you have a very gorgeous performance for today's game, but there may be some overseas audience that now that. Familiar with you, so how would you evaluate on your own playstyle, and is there any particular mid laner you really want to face in LPL this summer? 那其实今天的表现是非常亮眼的嘛，但可能一些海外的观众还对我们的 Cream 不是非常熟悉，那能不能分享一下你觉得自己可能是怎么样一个打法的选手呢？那在这个夏天在 LPL 舞台上有没有特别想交手的一些中单选手呢？我觉得我打法就偏有些偏向于阿卡丽这种英雄吧，就是有点像刺客的这种。 然后最想遇到的中单又今天打过了嘛，是的，感觉Rookie是个很强的选手。 So in terms of my own playstyle, I think I prefer those champions like Akali, those assassin champions, and the main laner I really would like to face. I have faced him in today's matchup, and I also think Rookie is a super strong player. And my last question is, today is our Dragon Boat Festival, or traditional festival in China. So do you have any message to all the fans supporting you, supporting OMG from all over the world? 那今天也是我们的端午节嘛，那最后我们的 Cream 有没有什么想要对所有一直支持我们 OMG， 然后呢支持我们 Cream 选手的粉丝们说的？祝大家端午安康，天天开心，多吃粽子吧。 So I would like to send my best wishes to all the people in this Dragon Boat Festival, and I hope you can be happy every day, and please eat more zongzi, the Chinese rice dumplings. And thank you for the sharing, and congratulations again. 那再次恭喜你们，一直期待我们 Cream 在我们的 LPL 赛场更好的表现. Thank you, and back to you guys. Bye bye. Merci Wendy. J'adore pour l'interview joueur. Et merci Crème. J'adore ce joueur. Ah ouais, un bon sourire qui répond à des questions de manière plus longue avec des bonnes réponses, ça fait plaisir à voir. Bah tiens, je suis content. Il était déjà rassurant dans la faille, il a été rassurant en interview. La première question à laquelle il a répondu, c'était une question par rapport à son style de jeu. Ouais. Il avait dit qu'il était très content de sa performance en game 1 où il a très bien joué, par contre moins satisfait de la game 2 et 3 ouais. où il a juste eu l'impression que son équipe avait été meilleur. Ouais, globalement, il a dit que la coordination, finalement, surtout initiée par Cold, était très très importante, que Cold avait mérité bien sûr son MVP. Mmh. Voilà, que sur les engages, etc., il y a vraiment une bonne communication du côté de l'équipe et que c'est très, ça permet d'être bien en confiance hein, pour la suite. Il est revenu également sur la Kai'Sa en Game 3 qui avait tellement de ressources que bah, voilà, il y avait juste à s'appuyer dessus pour enchaîner les fights et les escarmouches, donc ça a été très très bien fait. Ensuite, il a parlé effectivement de son playstyle, qu'il joue beaucoup d'assassins, il a mentionné Sakali, il a mentionné Fizz. Ouf! Fizz est toujours difficile à placer, hein, mais s'il nous offre un Fizz à un moment, on sera bien évidemment content de contre pouvoir Syndra, voir un nouveau champion. Contre pas mal de picks, c'est efficace, mais après Syndra, c'est plus forcément trop méta. Ouais, voilà, mais... c'est ça. Il y a un monde où peut-être on le verra, en tout cas, on gardera un œil attentif et on espérera pouvoir le voir un jour. Il disait que justement, le mid-laner contre lequel il avait envie de jouer, c'était Rookie. Donc parfait. Voilà, c'était Rookie, parfait, c'était le match d'aujourd'hui, et bien évidemment, pour beaucoup de jeunes joueurs, c'est un joueur qu'on a envie d'affronter en LEC, du monde, c'est du côté de Caps qu'on a envie de l'affronter forcément, et à la fin il disait que tout le monde vive heureux, sourit beaucoup et mange bien pendant le festival. Ouais. Be happy every day, c'était l'une de ses phrases de fin d'interview, donc Crème très souriant, très chaleureux comme nouveau joueur mid des Oh My God qui était chez les Oh My Dream hein, pendant...
jusqu'à mai 2021. Donc voilà, il a joué pas mal pour l'Académie. Il était sub aussi quelques fois pour l'ancien midlaner des OMG. La question est passée vite, j'ai même pas eu le temps de voir. C'était le Hanfu de OMG, c'est ça? Alors, je sais pas lequel des trois c'était. C'était IG, OMG ou EDG. On aura peut-être la réponse un tout petit peu plus tard. En tout cas, si vous l'avez, n'hésitez pas à la donner dans le chat. Et une dernière petite info avant de pouvoir partir en pause avant le second BO. Un Oh My God contre Invictus Gaming. La dernière victoire de Oh My God dans ce match-up. Ça doit remonter. Hein. Ça datait de 2016, du 16 juin 2016. Ça faisait 5 ans qu'ils n'avaient pas réussi à faire tomber les Invictus Gaming. Et c'est transformé aujourd'hui. Il fallait bien crème hein, pour aller chercher cette victoire et un cold de renom également dans cette game. Du coup, nous on part sur une petite pause avant le deuxième BO de cette journée. Les Raratomes contre les Edward Gaming. A tout de suite sur OGaming.